Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Ce soir, je suis avec Pierrick Guitaud. Pierrick, bonsoir. Bonsoir Damien, bonsoir aux internautes. Et merci beaucoup d'accepter de venir parler avec nous donc de la bête du Gévaudan. Expliquez-nous comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à l'affaire, comment vous découvrez en fait cette histoire de la bête du Gévaudan. Alors la toute première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand j'étais enfant. Avec mes parents, on était en vacances en route pour les gorges du Tarn et en s'arrêtant à Marvejols dans une librairie, j'avais vu des cartes postales qui représentaient des gravures de la chasse de la bête du Gévaudan. On voit notamment Monsieur Antoine qui tue la bête. Et ça avait frappé mon imagination d'enfant. Et je ne sais pas pourquoi. Alors je ne savais pas à Alors, l'époque, mais que j'allais venir à m'y intéresser beaucoup plus sérieusement plus tard. Mais voilà, c'était mon premier souvenir de la bête. Et puis, le véritable déclencheur à l'âge adulte, c'est quand j'ai vu Le Pacte des loups, en fait, le film français. de Christophe Gans. Tout à fait. Alors qu'il y avait une photographie très intéressante et un scénario totalement inintéressant. Donc j'étais un petit peu frappé par. Bon, alors, on va me dire c'est du cinéma. Il faut que ça soit voilà, romanesque. Très bien, mais étant donné quand même qu'à la base, ce n'est pas un mythe ni une légende, mais c'est un fait historique réel qui appartient désormais au patrimoine français. Et bon, j'ai trouvé le traitement qui était un peu cavalier quand même. Et puis, bon, voilà, le lion recouvert d'une carapace, ça m'avait semblé vraiment. Voilà, je n'étais pas satisfait au niveau. Et moi, j'ai toujours été amateur d'histoire, passionné d'histoire depuis tout jeune. Et du coup, je m'attendais à un film un petit peu plus réaliste, qu'il soit du cinéma à grand spectacle, mais un petit peu plus réaliste sur le fond. Et du coup, ça a nourri chez moi un peu de frustration. Et puis, du coup, l'envie d'en savoir plus. Alors, j'ai commencé à lire des ouvrages sur le sujet, à faire des recherches personnelles, mais uniquement à titre éducatif. À l'époque, je ne pensais pas du tout écrire sur le sujet. Je me disais, il y avait déjà assez de publications, tout le monde avait déjà fait un peu de recherche, il y avait un certain nombre de pistes. Voilà, j'avais pas spécialement de choses à ajouter. Puis après, bon, au fur et à mesure que j'ai fait ces recherches et en lisant les ouvrages des auteurs qui avaient déjà publié, j'étais toujours pas satisfait. Ça me semblait pas toujours très cohérent, les recherches me semblaient pas toujours menées avec une démarche qui me satisfaisait. Et puis moi, ensuite, je suis devenu chasseur, tireur à poudre noire. Donc voilà, je me suis familiarisé aussi avec des répliques d'armes anciennes. Et puis voilà, j'ai commencé du coup à m'intéresser un peu à la partie chasse, balistique, puisque bon, la bête du Gévaudan, malgré tout, ça reste une affaire de chasse, c'est-à-dire c'est une grande histoire de chasse après un animal ou plusieurs animaux qui a duré 3 ans pour diverses raisons. Et c'est la plus célèbre affaire de chasse de l'histoire de France, on va dire, l'affaire de la bête du Gévaudan. Donc forcément, en tant que chasseur, ça m'interpellait. Et puis du coup, c'est cette approche que j'ai eue qu'avaient pas la plupart des auteurs. Il y a, à ma connaissance, assez peu de chasseurs qui s'étaient intéressés à l'histoire ou qui ont écrit des ouvrages là-dessus. Et après, je suis tombé du coup sur la mention des loups d'Isserviers dans le fonds d'archives, qui me semblait presque anecdotique au début. Et puis, c'est en tirant le fil de cette pelote que je suis tombé sur un champ d'investigation qui avait été laissé en friche totalement par les autres auteurs, balayé un peu rapidement du revers de la main. Et du coup, je me suis intéressé à cette chose. Et c'est ça qui m'a amené finalement à publier La Dévoreuse en 2017. D'accord. Donc c'est vrai que du coup, il y a ce livre, hein, La bête du Gévaudan, La dévoreuse. Alors malheureusement, très difficile à trouver en format papier. Donc si vous voulez le lire, c'est uniquement en Kindle et en démat, parce qu'il n'y a pas du tout de possibilité de le trouver en physique. Non, oui, le tirage papier est épuisé, l'éditeur souhaite plus l'exploiter dans ce format, donc le tirage électronique est toujours en vente, on peut toujours le commander sur différentes plateformes. Après, le plaisir n'est pas le même, certaines personnes n'apprécient pas. Moi-même, le premier, hein, un document au-delà de 3 pages, j'ai beaucoup de mal à le lire sur écran, il faut que j'imprime. Donc forcément, une enquête de 350 pages, c'est un peu compliqué. Après, avec le Kindle, on peut mettre des marque-pages, on peut revenir, etc. Bon, il y a les pour, les contre. Après, je ne vais pas faire forcément la promotion d'un format qui, moi-même, ne me convient pas totalement. Mais je compte bien remédier à à ce problème temporaire par une enquête nouvelle et approfondie avec des gens qui vont m'aider sur le sujet.
Voilà, donc du coup, là, on voit la couverture donc, de votre livre, Oui, merci Damien. Qui est introuvable en version physique, mais qu'on peut commander, donc par exemple sur Amazon, pour Kindle, etc. Oui. Et là, actuellement, donc, vous travaillez sur un autre livre dans lequel vous allez reprendre vos recherches, en fait, mais essayer d'améliorer tout ça, tout en allant vers la même conclusion au final de ce premier Alors, livre. la grande finalité de l'enquête que j'avais menée, puisque moi je suis parti, contrairement à la plupart des auteurs, sans idée sur quelle était la nature de la bête. C'est-à-dire que la plupart des auteurs pensent, à la suite des recherches qu'ils ont fait, que la bête est de telle nature, et ils écrivent un ouvrage pour le Oui, démontrer. qui Moi, je vont suis leur direct dans parti. cette direction-là, en fait, donc tu voulais dire. Moi, je suis parti en me disant, je ne sais pas quelle est la bête, et on va étudier toutes les différentes thèses qui ont été émises jusqu'ici, les différentes propositions. Est-ce que ce n'était qu'une bande de loups? Est-ce que c'était un animal dressé à tuer, notamment un hybride de chien et de loup? Ou est-ce que c'était un animal cryptide, un animal ancien qui n'aurait pas encore été redécouvert? Ou éventuellement d'autres théories? Donc voilà, moi j'ai un peu fait une enquête pour essayer de trouver les différents champs de force des différentes théories, les mettre à l'épreuve, et puis finalement, en ayant vu que les deux grandes théories qui étaient en vigueur depuis 30 ans, qui opposaient, on va dire, pour synthétiser, les pro-loups et les anti-loups, que le fond du débat était faussé et que finalement, peut-être que les deux avaient tort en même temps que les deux avaient raison et qu'il fallait chercher une autre voie qui m'a amené donc sur ces fameux loups dits cerviers. Alors cervier, c'est une appellation vernaculaire. Hein. C'est comme ça que nos ancêtres appelaient une variante ou une sous-espèce de loup. Alors, zoologiquement, on ne sait pas. Peut-être que c'est simplement un phénotype, c'est-à-dire juste un faisceau d'apparence qu'on retrouve. Voilà, il y a certaines similitudes entre différents loups qu'on semble retrouver et qui fait que les ancêtres les appelaient des loups cerviers. Mais c'est pas une sous-espèce zoologique reconnue. Voilà, c'est une appellation commune, vulgaire, on va dire, sans connotation péjorative du terme. Donc du coup, la nouvelle enquête, elle va compléter cette enquête qui a été faite sur les loups dits cerviers, puisque j'ai eu des nouveaux documents qui viennent étayer, approfondir cet axe de recherche. Et puis il y a eu aussi des avancées, il y a eu des publications scientifiques, des études génétiques qui ont été faites. J'avais photographié dans la dévoreuse un loup en Suisse qui présentait toutes les mêmes caractéristiques que la bête du Gévaudan. Voilà, il y a eu des études génétiques qui ont été faites sur ce loup-là en 2018, donc après la publication, qui m'ont été transmises par les chercheurs et puis qui ensuite ont été diffusées publiquement. Donc on pourra les présenter dans le futur ouvrage. Et puis voilà, il y a aussi un jeune universitaire qui va nous aider sur la partie biologique, historique et biologique, avec des accès à certains fonds muséographiques. Et puis un spécialiste des armes anciennes qui pourra venir m'épauler sur la partie balistique, voilà, avec les différentes reconstitutions. Moi, j'avais fait dans la dévoreuse des essais de tir avec une réplique d'armes d'époque pour mettre à l'épreuve notamment la fameuse théorie de la cuirasse, où vous savez qu'il y a une des théories en vigueur qui serait que c'était un animal dressé à tuer par des criminels et qu'elle aurait été protégée par une cuirasse. Alors, soit une peau de sanglier, soit une cuirasse comme avaient un peu les chiens de guerre au Moyen Âge, qui aurait été plus ou moins dissimulée par une fourrure et qui, du coup, l'aurait protégée ou en tout cas augmenté sa protection et sa résistance aux tirs d'armes à feu. Puisque plusieurs fois, dans le fond d'archives, on voit que lors de certaines chasses, l'animal semble être touché, semble être blessé, il peut être mis à terre, on dit qu'il boite, et puis à chaque fois, il se relève et il semble un petit peu presque indemne au tir d'armes à feu. Donc c'était cette théorie, enfin, ou ces constatations que j'avais voulu mettre à l'épreuve avec une réplique d'arme d'époque, un fusil à silex, fusil de chasse courant, fusil modèle Tulle de 1730. Donc c'est un peu tout ça qu'on retrouvera dans ce nouvel ouvrage, alors on est tout juste dans la phase préliminaire de la recherche. Donc que vos internautes n'aillent pas chercher sur Internet pour le trouver, parce que il ne sera pas publié avant 3 ans, je pense, minimum. Et donc, du coup, on va essayer de revenir un petit peu, donc, parce que là, donc, ce livre, vous êtes vraiment qu'au début, mais on va essayer de revenir donc sur l'ancien, essayer de comprendre comment vous avez Oui. le processus en fait que vous avez suivi pour essayer d'en arriver donc à cette conclusion que c'était un loup cervier pour vous, et on va essayer de voir pourquoi vous balayez les autres théories aussi en passant.
Du coup, comment vous démarrez en fait vos recherches quand vous vous dites bon allez je me lance dans les recherches sur la bête du Gévaudan. Déjà, les archives, vous allez les chercher où dans... Qu'est-ce que vous lisez? Alors moi, j'ai eu la chance d'arriver à une époque où les fonds d'archives étaient déjà nettement numérisés. Et ça n'a fait que progresser depuis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, si vous allez sur le site des archives départementales de la Lozère, de l'Hérault, du Puy-de-Dôme ou du Cantal, toutes les archives relatives à l'affaire sont aujourd'hui entièrement numérisées. Donc n'importe qui, n'importe lequel de nos internautes ce soir peut aller sur ces sites et il va pouvoir lire tous les documents. Alors il y en a des centaines, hein, c'est pas le fonds d'archives de la bête du Gévaudan, il est phénoménal, c'est-à-dire que il a quasiment pas d'équivalent pour un événement du XVIIIe siècle. On a des centaines de pièces d'archives qui pour la plupart sont des courriers, manuscrits, donc les différentes autorités, les responsables des chasses s'écrivent entre eux, ils font des rapports, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils organisent les chasses, quels sont les résultats des chasses, quelles sont les différentes théories. Déjà à l'époque, ils discutent de la nature de la bête. Voilà. Et puis évidemment, ça prend un tour très politique. Donc il y a les différentes autorités politiques de la région qui écrivent à Versailles ou qui écrivent aux différents intendants, que ce soit pour le Languedoc, l'Auvergne, etc. Donc on a beaucoup de courriers administratifs, de courriers, des procès-verbaux émis par les chasseurs, etc. Donc toutes ces pièces aujourd'hui, on peut aller les consulter. Elles sont numérisées sur les sites des archives départementales. Vous pouvez voir les documents, vous pouvez zoomer dessus. Alors ce qui est dommage, parce que c'est qu'on ne peut pas les télécharger sur son PC. Je crois que si on les veut, il faut commander et acheter des copies. Pourtant, c'est un bien public et un patrimoine national, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, elles sont en accès libre pour la consultation. Alors après, c'est des courriers manuscrits du XVIIIe siècle, donc c'est pas évident à déchiffrer parfois. Donc, il y a une aide qui est intéressante pour commencer les gens qui voudraient commencer à travailler sur le sujet et qui vous. Alors, il y a des livres déjà. Il faut lire, par exemple, l'abbé Pourchet ou l'abbé Fabre, qui ont écrit à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui ont été un peu les premiers à aller fouiller eux physiquement les archives à l'époque et à faire des premiers comptes rendus. Puis après, il y a toute la série de livres qui ont été écrits après. Du début des années 70, Gérard Ménatori, après il y a eu Michel Louis, voilà, et puis évidemment le professeur Morisseau, universitaire historien, qui a publié plusieurs ouvrages sur la bête du Gévaudan. Donc voilà, faut lire un petit peu ces classiques, je dirais, entre guillemets, sur le sujet. Et puis si on veut aller soi-même consulter les archives, il y a Alain Bonnet, qui est un passionné de l'affaire, qui avait mis un document, je ne sais pas s'il existe toujours, qui s'appelle Chronodoc. C'est une chronologie documentée et raisonnée. Donc, il a synthétisé dans un document Word à l'origine toutes les archives, donc retranscrites en format Word, donc qui du coup là sont facilement lisibles, toutes les archives existantes à sa connaissance et en indiquant leur provenance, le fonds d'archives et puis éventuellement des commentaires. C'est-à-dire parfois il y a des archives, on ne sait pas bien. Il précise en plus l'origine de l'archive. Est-ce que c'est un extrait de gazette ou est-ce que c'est un courrier d'un officiel, etc. Donc il y a une espèce de classification des niveaux, on va dire, de fiabilité des archives avec quelques documents. Par exemple, il note s'il semble qu'il y ait des doublons ou certaines incohérences entre différentes archives ou des archives qui seraient contradictoires, etc. Donc c'est un document qui est, je dirais, basique. Fondamental, pas dans le sens basique limité, mais dans le sens, voilà, il faut l'avoir pour commencer à travailler sur le sujet. Alors après, c'est une retranscription informatique, donc j'ai moi-même pu voir en allant consulter l'archive elle-même qui était numérisée, qu'il peut y avoir des fois des erreurs de retranscription, comme c'est pas très bien écrit, parfois. Donc du coup, si vous tombez sur un document qui vous semble fondamental, il faut aller voir l'original dans le fond d'archives numérisé, et puis essayer de le déchiffrer vous-même, parce que il peut y avoir parfois quelques petites erreurs, ou des fois on n'est pas bien sûr du destinataire ou de l'expéditeur. Bon, voilà, c'est des sujets que connaissent tous les historiens qui travaillent sur les vieilles archives. Donc ça, c'était la base. Donc j'ai commencé, en fait, moi, à travailler sur quelle était la vraie histoire de la bête du Gévaudan, parce que tout le monde en entend parler, la bête du Gévaudan, mais
voilà, en dehors des films, en dehors de l'aspect un petit peu mythologique qu'il a pris, moi je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé entre 1764 et 1767. Donc les livres que j'ai lus sur le sujet, bon voilà, me donnaient déjà quelques idées. Ensuite, cette chronologie détaillée, ben là, permettait du coup de lire intégralement le fonds d'archives. Alors certaines sont pas très intéressantes, mais il faut quand même les lire, ça permet en tout cas d'avoir vraiment le déroulé des faits, presque au jour le jour, hein. C'est-à-dire que le fonds d'archives est tellement important que, en général, il ne se passe pas plus d'une semaine entre deux courriers. Donc, on a vraiment, si on lit le fonds d'archives, on peut vraiment voir l'affaire telle qu'elle se déroule à l'époque, quasiment jour pour jour. Des fois, il y a même plusieurs courriers datés du même jour. Donc, et c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Comme ça, on sait vraiment factuellement qu'est-ce qui s'est passé, tel que le fonds d'archives nous dit ce qui s'est passé et les événements qui ont lieu. On peut voir. Du coup, le nombre de victimes, les lieux, les états, comment ont été trouvées les victimes, les différents témoins, qu'est-ce que les gens ont dit, qu'est-ce que les gens ont vu, qu'est-ce qu'ils ont éventuellement entendu, qu'est-ce que les autorités en pensent, etc. Et du coup, après, en ayant consulté ce document et le fonds d'archives, et en ayant lu les différents ouvrages sur le sujet, bon, j'étais pas très satisfait, et dans le fonds d'archives, j'étais tombé sur la notion de ces loups-cerviers. Alors, bon, aujourd'hui, si on ouvre un dictionnaire... C'est quoi un loup-cervier? Voilà. Ben justement, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui pensait, lui, au félin, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, si on ouvre un dictionnaire, on nous dit que le loup-cervier, c'est un lynx. Donc là, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Pierrick Guiteau? On sait très bien que la bête du Gévaudan n'était pas un lynx. Effectivement, la bête du Gévaudan n'était pas un lynx. Et je n'ai jamais dit que c'était un lynx. Alors, il y a quelques journalistes crapuleux qui n'ont pas eu le courage de lire mon livre et qui ont écrit dans leurs articles que je disais que la bête du Gévaudan était une sorte de lynx. Non, c'est juste parce qu'ils ont vu que je parlais du loup-cervier, mais comme ils n'ont pas lu mon livre, ils n'ont pas lu les 40 pages dans lesquelles j'explique qu'en fait, il y a deux loups-cerviers. Il y a le loup-cervier, le canidé, et le loup-cervier, le félidé. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches étymologiques sur le sujet, parce que quand j'ai vu, effectivement, comme tout le monde en ouvrant mon dictionnaire aujourd'hui, le loup-cervier est un lynx. Bon, un lynx, on sait à peu près tout le monde ce que c'est. C'est un gros chat tacheté qui est de la famille des félidés, et on sait très bien que c'était pas ça, la bête du Gévaudan. Donc, pourquoi parler de ça? Pourquoi des autorités de l'époque auraient dit que la bête du Gévaudan était sans doute un loup-cervier, si le loup-cervier est un lynx? C'est absurde, ça fait pas de sens. Donc, la plupart des gens qui sont tombés sur ce terme, et on le retrouve plusieurs fois dans le fonds d'archives, on ne le trouve pas simplement une fois. On le retrouve la première fois le 22 octobre 1764, dans un courrier adressé au comte de Saint-Florentin, où on dit « L'opinion la plus commune est que ces bêtes féroces sont des loups-cerviers ou des loups carnassiers. » Bon, voilà. Et après, on le retrouve, je crois, plus d'une douzaine de fois, dans une période assez... où différentes personnes du fonds d'archives disent que la bête est sans doute un loup-cervier. Donc, je me suis dit « Mais pourquoi ces gens-là... » J'allais vous couper, mais pardon, mais en lisant le livre de l'abbé Pourchet, il en parle aussi, hein, il parle de loup-cervier dans son livre. Oui, bien sûr, parce que c'est dans le fond d'archives, je n'ai rien inventé, ce n'est pas moi, c'est les gens de l'époque qui ont vu l'animal ou qui en ont entendu parler et qui écrivent dans leur courrier que la bête est sans doute un loup-cervier. Donc pourquoi ces gens-là, ils écriraient que c'est un lynx? Ça ne fait pas de sens. Donc je me suis dit, c'est que la seule explication logique, c'est que soit c'était des demeurés, ce qui n'est pas le cas, soit c'est qu'à l'époque, ce terme n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Donc j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'en fait, le lynx, on l'appelait jusqu'au XVIIIe siècle, le chaloup ou le chaloup-cervier, parce que effectivement les lynx ont un système de prédation, ils tuent pas mal des jeunes cervidés ou des chevreuils. Du coup, cervier viendrait de cerf et cervidé. Donc le chaloup-cervier, c'est le chaloup qui mange des cerfs, mais par contre, il y a un autre loup-cervier qui alors lui là, on est a un canidé, problème. Un gros canidé généralement réputé plus gros que les loups et qui fait très peur aux gens et qui du coup n'est pas du tout un lynx. Et donc je me suis dit, mais quel est ce loup-cervier? Alors, certains auteurs, comme le professeur Morisseau, ont dit, bon, c'était une appellation un petit peu commune pour appeler les loups un peu plus gros que d'habitude et parce qu'ils tuaient des cerfs. Sauf que ça ne me semblait pas très satisfaisant parce que ce loup-cervier, à chaque fois, il semblait susciter une crainte et une angoisse qui était supérieure au loup commun. Et à chaque fois qu'il y avait des cas de bêtes féroces, parce que n'oublions pas que la bête du Gévaudan... Alors, on a un petit problème de son, je suis désolé. Est loin d'être le seul cas unique de bêtes féroces. Il y a eu des dizaines de bêtes féroces
Alors, on Vous a à nouveau le m'entendez? son qui coupe. Ouais, alors on a vraiment le son qui coupe, je suis vraiment désolé. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, moi je vous entends. Ah ben là, ça fonctionne. Voilà, là, ça fonctionne. Donc, ça, il y a eu une coupure, il y a eu un moment donné où il n'y avait plus du tout de Moi, je suis son. Donc, désolé, j'habite dans la Sologne, hein, au milieu de la forêt, donc. Donc, je suis désolé s'il y a des petites coupures de son. C'est vrai qu'on a essayé de réparer ça tout à l'heure Voilà, hors ligne. C'est vrai que l'influence de la c'est baie. mieux. Donc du coup, oui, comme vous le disiez, et on n'a pas entendu, donc la bête du Gévaudan n'est pas la seule bête dévoreuse qu'il y a eu en France, hein. Sauf que Non, il y a celle, eu c'est celle des qui a été le plus dizaines, médiatisée. il y a eu des dizaines de cas de bêtes féroces, mais la bête du Gévaudan n'a pas été la plus meurtrière. Ça a été, comme vous venez de le dire, Damien, la plus médiatisée, pour différentes raisons. Il y a un historien américain, James Smith, qui a écrit Monsters of Gévaudan, publié par les universités Harvard, dans lequel lui, il s'est penché justement sur la médiatisation et pourquoi l'affaire est devenue tellement médiatisée à l'époque. Donc, pour les lecteurs anglophones, malheureusement, le livre n'a pas été traduit en français. Ça peut être intéressant. Ceux qui, justement, veulent savoir pourquoi cette affaire a été tant médiatisée déjà à l'époque, puisque toutes les gazettes en parlaient, c'est remonté jusqu'à Versailles, etc. Et donc, voilà, c'est vraiment un champ d'études intéressant pour montrer en fait qu'il y avait déjà des tabloïds avant l'heure, si on veut. Si vous voulez, il y avait déjà, par exemple, le Courrier d'Avignon, on peut le qualifier de tabloïd avant l'heure, quoi. Il n'hésite pas à publier des articles systématiquement sensationnalistes. Il multiplie par deux ou trois le nombre des victimes, multiplie par 10 le nombre de chasseurs qui courent après. Enfin, voilà. Donc, tout ce travail, on peut le retrouver dans cet ouvrage qui est intéressant. Mais il y a eu des bêtes beaucoup plus féroces. Par exemple, la bête du Val-de-Loire. Il y a Frédéric Gauthier, un historien, un professeur de Châteauroux, qui a écrit publié un sujet. Elle a sévi pendant 10 ans et elle a tué 150 personnes, presque le double des victimes de la bête du Gévaudan, sur une période 3 fois plus longue. Elle a été pourchassée aussi par de très nombreuses chasses. Les autorités de l'époque, y compris la noblesse, s'en sont occupées. Des personnes se sont retrouvées emprisonnées également, comme dans la bête Gévaudan, sauf que c'est une affaire qui est tombée dans l'anonymat et qui a été oubliée, comme des dizaines d'autres affaires de bêtes féroces. Donc, pour en revenir à la bête du Gévaudan, voilà, on a ce terme où on a des gens de l'époque qui nous disent plusieurs fois que c'est un de ces loups dits cerviers ou carnassiers. Donc, carnassier, c'est pareil, ça n'a pas vraiment de sens puisque tous les loups sont carnassiers, tous les loups mangent de la viande. Sauf que carnassier, il faut l'entendre sous-entendu chair humaine. C'est-à-dire que le loup carnassier, c'est une appellation pour dire c'est le loup qui mange de la chair humaine et pas simplement des chevreuils ou des cerfs ou des lapins ou je ne sais quel gibier qu'il a l'habitude de pourchasser. Donc voilà, on sent bien qu'il y a autour de ce terme loup cervier ou loup carnassier un loup un peu plus dangereux que les autres, en tout cas qui est craint par la population et qui semble plus agressif et qui semble parfois s'en prendre à l'être humain. Donc j'ai fait des recherches étymologiques, c'est là que ça m'a permis de découvrir que ben, le lynx était appelé autrefois le chat-loup et le chat-loup-cervier, et que c'est pour ça qu'il y a eu un glissement sémantique et que dans les dictionnaires aujourd'hui, ben, le loup-cervier, c'est uniquement le lynx, mais qu'il y avait aussi un autre loup-cervier à l'époque qui lui était un canidé, un espèce de gros loup qui pouvait parfois s'en prendre à l'être humain. Et donc, on retrouve, en remontant dans les archives, une appellation qui va jusqu'au XVe siècle. Et là, c'est le cerve ou loup-cerve. Donc, le, bah, c'est l'ancien mot français, l'ancien français pour dire loup. Et cerve, en fait, écrit avec un S. Donc, il ne vient pas cette fois-ci de cervus, le cervidé, mais qui vient de cervus, le cerf, c'est-à-dire le petit paysan du Moyen-Âge, le cerf qui était sous l'autorité d'un seigneur. Donc, le loup-cervier. Si on remonte au XVe siècle, son étymologie, ce n'est pas le loup qui chasse des cerfs, c'est le loup qui chasse des petits paysans dans les champs. Et donc, on comprend mieux pourquoi cette appellation est spécifique au loup qui s'attaquerait à l'homme. Donc, D'accord. évidemment, il faut pouvoir prouver ou démontrer qu'il y a effectivement eu une espèce de loup ou une variante de loup qui aurait été plus dangereuse que les autres, ou en tout cas qui aurait eu plus de facilité à attaquer l'être humain que les autres. Et on ne sait pas si ce loup cervier, c'est simplement une appellation commune, vulgaire, mais qui désigne pas vraiment une réalité génétique, ou si c'était réellement une sous-espèce qui aurait disparu, pas totalement, puisqu'on retrouve un spécimen en Suisse au musée de Sion qui représente un certain nombre de caractéristiques du loup cervier. Mais qui se serait dilué. Alors, il faut savoir, parce qu'on m'a posé la question suite à la publication de La Dévoreuse, mais
vos loups cerviers là. Pourquoi on ne les connaît plus aujourd'hui? Pourquoi on les aurait oubliés? Et puis pourquoi ils auraient disparu et qu'en gros personne ne saurait ce que c'est? Mais la réponse elle est simple, c'est-à-dire que les dernières études génétiques qui ont été faites sur les populations de loups, faut savoir qu'en Europe, le loup a été quasiment exterminé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et aujourd'hui, tous les loups qui sont en train de recoloniser l'arc alpin, qui sont en train de recoloniser les contrées françaises, il y a à peu près 800 loups, je crois, aujourd'hui en France, sauvages, ils viennent tous d'une seule souche, la même. C'est la souche des Apennins, c'est-à-dire des loups du nord de l'Italie, qui, eux, ont survécu à cette extinction, à cette extermination, parce que c'est le mot, on peut l'employer. Le loup a été pourchassé jusqu'à sa destruction totale, quasi totale, et il ne restait plus que quelques populations sauvages dans le nord des Apennins, donc c'est un massif montagneux du nord de l'Italie, et c'est eux qui, petit à petit, aujourd'hui, se sont répandus, sont en train de se reproduire et en train de recoloniser tous les espaces sauvages, notamment en France. Sauf que ils ne représentent que 5 à 10% de la variété génétique des loups du XVIIIe siècle, puisque les dernières études génétiques qui ont été faites, elles ont montré qu'il y avait 22 haplotypes génétiques différents de loups. Alors, on a encore un bug. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Donc, vous imaginez un formidable goulot d'étranglement génétique qui a été provoqué par cette extermination massive, c'est-à-dire que voilà, de ces 22 haplotypes génétiques, il n'en reste plus qu'un. Donc, on en a perdu 21. C'est-à-dire que on a perdu une grande partie de la diversité génétique des loups, tels qu'ils pouvaient exister au Moyen-Âge, à la Renaissance et jusqu'au XVIIIe siècle, à l'époque de la bête du Gévaudan. Donc, ce loup dit Cervier, si c'était une espèce, ce qu'on ne peut pas affirmer aujourd'hui totalement, il peut très bien avoir fait partie de ces 80% du matériel génétique des loups qui a été perdu. D'accord, et qui sera aujourd'hui quasi impossible de retrouver, puisque les spécimens trop anciens, l'ADN est dégradé, et même si on trouve des squelettes, ou c'est très difficile d'extraire l'ADN d'un squelette, même vous voyez dans les glaces sibériennes, quand on extrait aujourd'hui des animaux qui sont entièrement conservés, qui ont l'air quasiment d'être morts il y a 10 ans, en fait le matériel génétique, lui, il est très dégradé, l'ADN se dégrade assez rapidement, et il est assez difficile. Donc voilà, aujourd'hui, on sait qu'on a perdu malheureusement une partie du matériel génétique et de l'histoire génétique des loups européens. Et il ne faudrait pas que les lecteurs pensent que le loup, il est unidimensionnel dans son apparence. C'est-à-dire que comme il n'y avait plus de loups en Europe au début du XXe siècle, quand on a commencé à faire des films, des émissions de télévision, des documentaires, des articles, et qu'on voulait des images de loups, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des loups en captivité. On prenait des loups, des images de loups qui provenaient du Canada ou du nord des États-Unis. Mais ce n'étaient pas des loups européens. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est habitué dans notre imaginaire à l'image caractéristique, emblématique du loup, qui est le loup gris américain ou canadien, mais qui n'est pas du tout le loup européen du XVIIIe siècle. Donc, il faut aussi avoir ça en mémoire. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en tête que les loups européens au XVIIIe siècle, ils ne ressemblaient pas forcément aux loups modernes, et que ce loup dit Cervier, il pouvait très bien être commun pour les gens de l'époque. Et c'est pour ça que quand ils en voyaient un, ils disaient « Ah, c'est un loup Cervier !» Parce qu'eux, ils savaient à quoi ça correspondait, et que nous, aujourd'hui, on ne sait plus. Parce que les loups ont été exterminés et qu'on a perdu une grande partie du matériel génétique et des variantes. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, pour les scientifiques, ce qui fait foi pour déterminer les espèces, les sous-espèces, c'est le matériel génétique et plus le phénotype. C'est-à-dire que l'apparence, même si deux loups ont une apparence strictement identique, le scientifique ne va pas conclure qu'ils sont forcément de la même sous-espèce. C'est son ADN qui va dire si oui ou non. Parce qu'il pourrait très bien avoir la même apparence et être une sous-espèce différente, ou avoir deux apparences différentes et être de la même sous-espèce. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, ce qui fait foi scientifiquement, c'est le matériel génétique. Et on sait aujourd'hui qu'on en a perdu une grande partie. Donc, la réponse que je pourrais faire aux gens qui diraient « mais vous vous serviez, en gros, ils sortiraient un peu de l'imaginaire ou de la fantaisie ou du mythe », ben ils sont là, ils sont peut-être dans ces 90% du matériel génétique qui a été perdu. Et en tout cas, ils sont très présents dans le fond d'archives, pas seulement de la bête du Gévaudan, mais dans d'autres affaires. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la bête du Val-de-Loire. La bête du Val-de-Loire, elle a tué 150 personnes pendant 10 ans. Alors,
Il est très probable qu'il y avait plusieurs animaux. Mais l'affaire a cessé quand on a tué un loup-cervier. C'est écrit dans les archives. Ils ont tué un loup-cervier. Ils ont envoyé la peau de ce loup-cervier à la personne responsable des chasses dans la région, qui pourrait nous laisser penser que cette peau n'était pas tout à fait commune, puisqu'ils ont pris la peine de la prélever et de l'envoyer en guise de preuve qu'ils avaient bien tué un loup-cervier. Et donc, après, il n'y a plus de victimes. À partir du moment... Alors, pardon, oui. Joukou, mais il y a une question très pertinente de Noureddine Lamzi, là, sur le chat, qui nous dit « Les gens du coin connaissaient les loups-cerviers. Donc, si c'en était pas un, ils auraient vu. Enfin, comme là, ils le voient que c'est pas un loup-cervier, puisqu'ils l'auraient nommé, ils auraient dit « C'est un loup-cervier, on le connaît. » Là, tandis que là, on a l'impression qu'ils appellent la bête, quand même. Donc, oui, ils l'appellent pas alors, le... Dans les premiers... Au tout début, on dit une bête dévorante ou une bête féroce qui roule dans le pays depuis plusieurs mois. Voilà, c'est l'expression. Et ensuite, donc, dans ce fameux courrier du 22 octobre, on a un officiel qui nous dit « L'opinion la plus répandue ou la plus commune est que ces bêtes féroces sont des loups-cerviers ou des loups carnassiers. » Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quand même... Et on est avant que l'affaire soit médiatisée. C'est pour ça que la médiatisation est très importante. Le courrier d'Avignon, il va commencer à publier des articles sur la bête du Gévaudan le mois d'après, le mois de novembre 1764. Donc avant, si vous voulez, on est un peu dans un contexte local, c'est-à-dire que l'affaire n'a pas encore pris une ampleur nationale. Et on a des gens du terrain qui nous disent, après les premiers mois d'interrogation, l'opinion la plus répandue, c'est que ce sont des loups-cerviers ou des loups carnassiers. Voilà. Et ensuite vient la médiatisation. Et là, tout le monde s'en mêle, puisque là, on commence à écrire directement au secrétaire d'État, au comte de Saint-Florentin. Donc Versailles est au courant. Le roi commence à être mis au courant. Les gazettes étrangères commencent à en parler. La Gazette de Pologne, de Cologne, en Allemagne, en parle. La Gazette de Londres va se moquer ouvertement des Français qui n'arrivent pas à tuer la bête du Gévaudan. Il faut savoir qu'on est seulement quelques années après la guerre de 7 ans, dans laquelle la France a perdu une grande partie de son empire colonial. Avant la guerre de 7 ans, la France est la première puissance militaire européenne. Et la guerre de 7 ans a mis fin à ça. C'est-à-dire que la guerre de 7 ans a été une défaite très importante pour le royaume de France. La France a perdu ses colonies d'Amérique du Nord. Elle a perdu une partie de son empire colonial. Elle a perdu son prestige. L'armée française a été battue. Si vous voulez, c'est une situation très difficile. Les comptes publics, évidemment, ont souffert de toutes les dépenses pour la guerre qui, en plus, a été perdue. Donc, il y a une perte aussi bien de prestige que financière. C'est dans ce contexte que la bête du Gévaudan apparaît simplement juste après, 2 ans après. Et quand on commence à alerter Versailles et que les gazettes étrangères commencent à faire des gorges chaudes de l'affaire de la bête du Gévaudan, on comprend bien que d'un seul coup, il y a une espèce de crispation et cristallisation qui se fait. Et là, d'un seul coup, il n'est plus qu'une seule question, c'est de tuer la bête. On l'a appelé la bête, mais même dans le rapport marin, l'animal est posé sur la table, il est mesuré dans toutes ses longueurs. En juin 1767, on a quand même convoqué le notaire du coin, des chirurgiens qui disent exactement la longueur de la queue, la longueur des pattes, la longueur du museau, la longueur des oreilles, la longueur des dents, la couleur du pelage, la couleur du dos, etc. Mais à aucun moment donné, dans le rapport, il est dit « c'est un loup, c'est un loup-cervier, c'est un hybride, c'est un chien-loup, c'est un léopard ». Non, c'est-à-dire que c'est un rapport purement médical, c'est une autopsie dans laquelle on décrit ce qu'on voit, mais à aucun moment les gens ne se prononcent. Et le problème, c'est que le loup-cervier, si c'est une espèce vernaculaire, une dénomination vernaculaire d'une sous-espèce qui n'est pas réellement génétique, est-ce qu'elle est connue de tous? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce que les gens font la différence? Si on lit Buffon, il y a des gens qui m'ont dit « Mais votre loup-cervier, il n'existe pas, sinon Buffon, il en aurait parlé. » Alors, lisez, je vous en prie, lisez les lignes, la section réservée aux loups écrite par Buffon. Vous allez voir, aucun biologiste, aucun zoologiste aujourd'hui n'écrirait ce que Buffon écrit sur les loups. Il écrit que c'est une espèce de nuisible la plus méprisable qu'il faut exterminer. Voilà, je résume la section du chapitre sur les loups écrite par Buffon. Donc ces gens-là, je veux dire, à un moment donné, quand on pense qu'un animal est nuisible au point qu'il faut l'exterminer, on ne s'intéresse pas à ces différentes variantes ou à ces différentes sous-espèces. Buffon, il avait strictement rien à faire des loups dits cerviers ou des loups dits carnassiers
par rapport au loup dit commun. Lui, pour lui, c'était une sale bête qu'il fallait. Et après, pourquoi il y a des gens qui disent que c'est des loups cerviers, pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas ce que c'est simplement une bête féroce. C'est une question à laquelle je ne sais pas. La question qui, moi, m'a interpellé, c'est pourquoi est-ce qu'à plusieurs reprises, on dit que ces loups sont des loups cerviers. C'était ça la question qui, moi, me semblait fondamentale. Et pourquoi ça avait été balayé d'un revers de la main en disant « Mais non, le loup cerviers, c'est juste un lynx. » pas possible, ou non, mais c'est juste un gros loup qui chasse les cerfs. Bon. Sauf que, consultez les différentes affaires de bêtes en France. Il y en a beaucoup, hein. La bête du Dauphiné, la bête du Benet, la bête du Limousin, enfin, il y en a eu des dizaines. Eh bien, vous verrez que systématiquement, si vous regardez les témoignages, les textes ou les archives relatives, à chaque fois, vous allez avoir un loup cervier qui revient. Et si vous lisez le professeur Morisseau qui a recensé 3000 attaques du loup sur l'homme dans un de ses ouvrages, vous verrez que épisodiquement dans ses archives, on parle d'un loup cervier ou d'un loup carnassier qui est l'auteur de l'attaque commise contre telle ou telle victime. Donc, ce n'est pas simplement dans le Gévaudan, c'est dans toute la France, et ce n'est pas simplement au XVIIIe siècle, c'est sur plusieurs siècles où on parle de ces loups cerviers. Au XVe siècle, des loups cerves ou des loups cerves, et qui provoque une sorte d'effroi où j'ai cité des textes dans La Dévoreuse où il y a des sortes de prières où on demande à Dieu de nous protéger de la terrible loup-cerve. C'est pour dire à quel point les gens en avaient peur. Donc c'est voilà, c'était intéressant et pour moi il me semblait fondamental de tirer les pelotes voilà les fils de cette pelote et de voir où ça nous menait. Et moi en tout cas ça m'a mené jusqu'en Suisse. Dans le musée du Valais à Sion, donc j'ai fait 1400 km aller-retour sur un week-end pour aller voir cet animal, parce que cet animal, quand il a été tué après la Deuxième Guerre mondiale, il a été autopsié, il a été naturalisé par des scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Genève, donc des gens sérieux, a priori, et qui savent, ils ont à leur crédit plusieurs milliers de naturalisations, donc ils savent comment naturaliser un animal, comment l'autopsier, et il y a un professeur qui s'est penché sur ce loup, le loup dit d'Écholles, puisqu'il a été tué dans la localité d'Écholles. Et quand il a... Moi, je n'avais vu aucune photo de cet animal. Je savais simplement qu'ils avaient tué un loup. Et quand j'ai lu la description du professeur, je suis retombé exactement sur la description de la bête du Gévaudan, telle qu'on peut la voir dans le rapport marin rédigé en 1767. Un animal qui tire plutôt sur le roux, le rouge, un animal avec des rayures noires, un animal avec une tête plate, des petites oreilles, un animal qui est beaucoup plus musclé qu'un loup, qui semble beaucoup plus trapu. Voilà. Et ça m'a frappé parce que j'ai eu l'impression de voir un doublon moderne du rapport marin. Et je me suis dit, mince, il faut que je voie des photos. Et sur le site Wikipédia, dédié au loup d'Écholles, j'étais très déçu parce qu'il y a une seule photo et qui ne correspondait pas vraiment à la description que j'en avais lue, faite par le professeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Donc je me suis dit, c'est étrange quand même. Et j'ai trouvé d'autres documents, j'ai trouvé un bulletin notamment du musée du Valais, dans lequel on voyait là des photos. Et là, je me suis dit, les angles qu'on voit dans ce bulletin nous permettent d'avoir quand même un aperçu de l'animal qui mériterait le déplacement. Donc j'ai été jusqu'en Suisse, et là je suis tombé sur un animal qui n'a strictement rien à voir avec les autres loups du même musée. C'est-à-dire qu'il y a des loups communs, naturalisés dans ce musée, et le loup d'Écholles, il est à part. Il est à part parce que c'est le dernier loup qui a été tué dans cette région, il est avec le dernier ours qui a été tué dans cette région, mais il est aussi à part parce qu'il n'a rien à voir. C'est-à-dire que les autres ont vraiment l'allure typique, grand, élancé, avec des pattes maigres, des loups qu'on peut s'imaginer ou qu'on peut voir. Et celui-ci, à 5 mètres, on dit oui, bon, c'est un loup. Et plus on s'en approche et plus on le regarde, et plus il est singulier, et plus il apparaît. Et suivant l'angle où on le regarde, il c'est celui-ci, là. Voilà. Et en fait, cette photo, j'ai écrit au directeur du musée du Valais. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez publié cette seule photo, puisqu'elle n'est pas vraiment représentative de l'animal, à mon avis. Elle me semble surexposée. En plus, on ne voit pas du tout la couleur rougeâtre. Mais on voit quand même des caractéristiques intéressantes. On voit la tête, vous voyez la tête, ce front plat est écarté. Vous voyez l'écartement entre les oreilles, ça, aucun taxidermiste ne peut le changer. C'est-à-dire que c'est une donnée, quelle que soit la façon dont vous naturalisez l'animal, vous ne pouvez pas agrandir ou réduire la distance entre ses oreilles. Et
remarquez, vous voyez qu'elle est beaucoup plus importante que chez le loup traditionnel. Le front plat, on le voit, cette espèce de il y a quasiment une pente. Vous voyez, si vous partez du nez jusqu'à la base des oreilles, vous faites quasiment une ligne droite. On voit vraiment cette tête plate, ses yeux petits, écartés, ses oreilles comme ça. Et puis, si vous regardez au niveau du dos, c'est-à-dire au niveau des épaules, il y a une bande noire qui descend sur les pattes, qu'on voit ici, pas vraiment, mais qui est assez symptomatique quand on le voit en vrai. Il y en a plusieurs, en fait. Et j'ai publié les photos dans mon ouvrage et on voit des rayures noires dans le cou de l'animal, qui font des rayures vraiment qu'on retrouve par exemple chez la hyène rayée d'Afrique du Nord. Et puis, on voit aussi cette bande plus sombre sur l'arrière, sur les reins, qui descend vers la queue. Et puis, cette queue, vous voyez, qui semble presque bicolore, c'est-à-dire presque avec des bandes noires et blanches, et plus courte que les loups. Et puis, vous voyez ces pattes. Les pattes, on dirait que les pattes avant sont plus courtes que les pattes arrière. Et ça, c'est une des caractéristiques qui est citée plusieurs fois à propos de la bête du Gévaudan, où on dit l'animal semble avoir les pattes avant plus courtes que les pattes arrière. Parce qu'en fait, cet animal, il est très musclé, il a des épaules très musclées, et on voit, il y a des gens, ils m'ont dit, non, mais c'est un hybride de chien et de loup, regardez ses pattes, c'est des pattes de chien, sa tête, on voit très bien que c'est pas un loup, c'est un chien-loup. Oui, sauf que les études génétiques ont été publiées sur le loup d'Échol en 2018, et c'est un Canis lupus pure souche. Il n'y a aucune trace d'hybridation chez cet animal. C'est un loup européen du 19e siècle. Il est endémique de la région. Il n'est pas venu d'ailleurs. Il n'a pas été importé. Il n'a pas été relâché. Voilà. C'est un loup typique de la région du parc alpin et de la Suisse, puisque les études génétiques qui ont été faites sur lui montrent qu'on retrouve son empreinte génétique au 19e, au 18e siècle. Voilà. Donc, et pourtant, quand on le regarde, effectivement, on dit, oh oui, c'est un loup. Mais quand on le regarde vraiment, on dit, il a vraiment des singularités, les pattes couleur chevreuil, par exemple, qui sont citées dans le rapport marin, le ventre qui est blanc, le dessous de la gueule qui est blanc. Enfin voilà, on retrouve. Et dans le rapport qu'avait écrit le professeur à son sujet, c'était flagrant. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres photos de cet animal, vous voyez. Mais du coup, il est grand comment? Parce que là, on n'arrive pas à distinguer. On a l'impression qu'il a la taille d'un loup normal. Mais pourtant, quand on regarde les témoignages, on a l'impression que c'est un truc qui est gigantesque. La bête du Gévaudan est énorme. Elle fait 53 kilos. C'est faut savoir que le poids moyen aujourd'hui d'un Canis lupus, c'est 35 kilos. Donc, la bête du Gévaudan est énorme en termes de critères de loup moyen. C'est un animal surdimensionné. Donc, soit, si c'est un loup, c'est un animal qui a des prédispositions à une certaine forme de gigantisme, on va dire. Voilà. Il y a des êtres humains qui font 2 mètres 40. Ça arrive. Ce n'est pas courant, mais ça arrive. Donc, soit c'est un géant pour son espèce, soit c'est un représentant d'une variante qui est beaucoup plus imposante que le loup commun, puisque 20 kilos d'écart, quand on fait simplement 35 kilos, c'est quasiment 80% de plus. Donc, vous imaginez. Là, c'est la bête du Gévaudan, si c'est un loup, c'est l'équivalent d'un être humain qui ferait 2 m 20. C'est vraiment pas courant. Ça, c'est possible, mais c'est absolument pas courant ni représentatif du reste de la population. Et ce qui est noté aussi dans le rapport à la bête du Gévaudan, c'est les masses musculaires. Qu'ont frappé le chirurgien qui l'a autopsié, il note qu'il y a des masses musculaires extrêmement importantes au niveau des côtés du crâne et à l'arrière du crâne. Donc, c'est les muscles masticateurs, ce qui pourrait corroborer du coup les témoignages où on nous dit qu'elle a une gueule terrible et on sait qu'elle a, à plusieurs reprises, décapité plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on a trouvé des cadavres où la tête était soit manquante, voire une dame âgée où le crâne était carrément ouvert en deux, comme une coquille de noix. Donc, on imagine quand même... Comment un animal comme ça peut faire ça, je veux dire, là Non, ce spécimen-là, il fait seulement 38 kilos de mémoire. Oui, voilà. Donc, si c'est un loup d'Isservier, c'est ce que j'expliquais dans mon ouvrage, c'est une fin de race, entre guillemets. C'est vraiment... Il a été dilué, et on ne retrouve plus que quelques-unes de ses caractéristiques. C'est-à-dire que, oui, il est un peu rouge, oui, il a le ventre blanc, oui, il a la gueule blanche, oui, il a des rayures noires, oui, il a une rayure noire le long du dos, oui, il a la tête plate. Mais on voit bien que toutes ces caractéristiques ont été diluées petit à petit, et que la bête du Gévaudan, si elle appartient à la même sous-espèce, il faut l'imaginer qui fait 55 kilos,
et non pas 38, donc beaucoup plus massive. Il faut l'imaginer avec des caractéristiques beaucoup plus marquées, où on verrait les rayures beaucoup plus nettement, la couleur roussâtre beaucoup plus marquée, le poil du cou plus long. Enfin voilà, c'est ce que j'ai expliqué dans mon enquête. C'est pas le. Effectivement, quand on voit ce spécimen, on ne dit pas ah oui, quel loup féroce, terrible, c'est la bête du Gévaudan. Après, il faut savoir que quand on a envoyé la première bête tuée par Antoine à la cour, la première réaction de la cour, ça a été de dire « Oui, c'est un loup ». Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aussi à un moment donné comprendre qu'il y a une crispation émotionnelle autour de l'affaire et puis un certain sensationnalisme. Donc on s'imagine un monstre. C'est que au début, c'est une bête féroce qui dévore des gens. Bon, voilà, ça arrive de temps en temps. Les gens ont peur, mais pas plus que ça. Mais d'un seul coup, en quelques mois, on bascule. C'est-à-dire que c'est une bête qui est partout et nulle part, puisqu'on commence à la voir à des distances phénoménales du jour au lendemain. C'est une bête qui résiste à l'épreuve des balles, puisque personne ne peut la tuer. On la tire, mais elle se relève. Et c'est une bête qui aurait des caractéristiques proprement monstrueuses, une gueule gigantesque, six griffes comme les lions. Enfin, voilà, on voit bien qu'à un moment donné, on part dans une construction qui devient sensationnaliste et mythologique et qui est plus vraiment la réalité, y compris de la bête féroce qui sera tuée en 1767. Quand elle est sur la table d'autopsie en 1767, on en prend les mesures, mais ça reste un canidé de 50 kilos. C'est pas non plus un monstre mythologique. Voilà. Donc il faut garder ça aussi en tête. C'est que. Ouais, mais alors, du coup. Voilà, il y a des proportions. Pardon, j'allais dire, mais du coup, cette bête, ce loup, alors, qui était bon, un peu plus gros que la normale, mais comment on en arrive justement à avoir des personnes qui sont décapitées, comme vous venez de le dire ? Comment un loup, même plus gros, aurait décapité des gens ? D'ailleurs, quelqu'un alors, sur le chat, je pense que c'est lui qui avait laissé un commentaire, et se demandait si ce n'était pas un ours à l'époque qui aurait tué des gens. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut valider ou pas ? Alors, que des ours aient pu se montrer agressifs face à des êtres humains, c'est certainement possible. Après, on sait que la bête du Gévaudan n'était pas un ours, c'est-à-dire que on a ses empreintes très rapidement. Voilà, à l'époque, c'est toujours aujourd'hui une des méthodes de chasse et de pistage, c'est de trouver les empreintes laissées par l'animal et de les suivre et de mener des chiens sur la piste de l'animal. Donc ça, c'était déjà fait. Et, je veux dire, tout le monde, tous les chasseurs qui ont poursuivi la bête à l'époque ont dit qu'elle avait un pied de loup. Donc, on sait que c'est une empreinte. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment être un hyper spécialiste pour faire la différence entre un pied de chien, un pied de chien loup et un pied de loup, par exemple. Je veux dire, si on n'est pas zoologiste, vous et moi, on n'en sera pas forcément capable. Par contre, on sait que ce n'est pas un pied d'ours. Et on sait que ce n'est pas un pied de lion non plus. Par contre, on sait que c'est un pied de canidé. Ça, on en est sûr. Donc, que des ours qui auraient traîné en Margeride et éventuellement pu tuer une ou deux personnes et qu'on les ait attribués à la bête du Gévaudan, pourquoi pas ? Je ne veux pas dire que c'est impossible. Par contre, on sait que la bête n'était pas un ours. On sait que les témoins qui l'ont vu n'ont pas dit que c'était un ours. Et il y a quand même des dizaines et des dizaines de personnes qui l'ont vu. Elle a été chassée, elle a été chassée, y compris par des militaires, pas seulement par des petits paysans. Alors, pour les décapitations, c'est important parce que c'est quand même un sujet qui a permis à un certain nombre de gens de dire que c'était une des bases du complot et de l'animal dressé à tuer. Alors, il faut savoir que dans le mode de prédation de la bête du Gévaudan, quasi systématiquement, elle prend ses victimes à la gorge. Ce qui est un mode de prédation assez classique, c'est-à-dire que le prédateur cherche la carotide de façon à pouvoir immobiliser rapidement sa victime. Il y a une perte de sang, une perte de connaissance, et après, il peut dévorer sa victime. Et ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que 90% des victimes de la bête du Gévaudan sont des enfants ou des adolescents. Il y a quelques femmes de tuées, il n'y a aucun homme adulte. La bête du Gévaudan n'a tué aucun homme adulte. Elle s'en est pris uniquement à des enfants, des adolescents et des femmes qu'on peut supposer être de petite taille. Puisqu'il faut savoir que des historiens comme Étienne Leroy-Ladurie nous ont rappelé qu'au XVIIIe siècle, la taille des Français elle était très inférieure à celle d'aujourd'hui. Les conditions de vie, l'hygiène alimentaire font que les gens étaient de petite taille. Un homme qui faisait 1m65 en 1765, il était tout à fait dans la norme. Ce n'était pas quelqu'un de petit. Voilà. Et les femmes pouvaient très bien faire 1m40 sans être considérées comme de petite taille.
ou atteinte d'une anomalie. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, imaginez que la bête Gévaudan a tué des enfants de 2 ou 3 ans. Donc, imaginez un canidé, on sait qu'il fait une 50aine de kilos, il s'en prend à la gorge à un enfant de 5 ans. Il n'y a pas beaucoup d'imagination à avoir pour imaginer qu'à un moment donné, sa force va être suffisante pour détacher la tête du tronc. Et il ne faut pas oublier que c'était on est dans une région pastorale. Toute l'économie repose sur le mouton. J'ai consacré tout un chapitre pour montrer à quel point. Je crois qu'on a un problème de connexion. Ouais, il y a un petit. Vous m'entendez? Là, c'est revenu, le son est revenu. On vous avait. Oui. Mais donc. Bon, ben là, on n'entend plus. Il ne faut pas oublier que c'est très important. C'est-à-dire que c'est une société pastorale. Ah, ben là, le son a disparu. C'est une société pastorale. Ah, là, je pense que c'est bon. Ouais, faut se montrer patient. C'est le... Je pense qu'en fait, dès que ça commence, il faut attendre quelques secondes. Donc, pour répondre à la personne qui parlait de décapitation, c'est une société pastorale et où on envoie les enfants garder les animaux. Ce sont les enfants qui vont au champ garder les animaux parce que les adultes, ils travaillent à la ferme, ils travaillent à faire du textile, ce sont des journaliers, ils sont payés à la journée, ils sont employés dans des fermes et on ne peut pas se permettre de mobiliser un adulte toute une journée pour simplement surveiller des moutons. Donc, ce sont les enfants qui sont chargés de cette activité-là au XVIIIe siècle. Et donc, la bête du Gévaudan, à un moment donné, elle voit dans les pâturages qu'il y a des enfants et que les enfants, ils sont beaucoup plus simples à attraper que les moutons, parce que les moutons, le bélier peut se montrer agressif, les moutons, ils courent vite. Mais imaginez un enfant de 5 ans qui a des sabots, puis à l'époque, l'accessoire utilisé, les gens sont soit pieds nus, soit en sabots en bois. Donc, un enfant de 5 à 10 ans qui a des sabots ou qui est pieds nus dans un champ et qui est poursuivi par un canidé sauvage de 50 kilos. Il n'a strictement aucun moyen de défense. Je veux dire, pour l'animal, c'est un rapport qui est extrêmement favorable. Un carnassier, il a besoin de plusieurs kilos de viande par semaine pour pouvoir survivre. Et lui, ce qu'il cherche, c'est d'avoir une recherche de son aliment qui est la plus simple et la moins difficile possible pour pouvoir consommer de la viande. Et évidemment, il faut qu'il consomme plus d'énergie à manger qu'à chercher sa nourriture. Si la recherche de nourriture consomme plus de calories que les calories qui va lui permettre sa chasse, il a un problème, il ne va pas survivre. Donc, c'est tout bénéfice pour lui. Il attaque des enfants sans défense, qui ne courent pas vite. En quelques mètres, il bondit sur eux, il les tue. Il en consomme une partie. D'ailleurs, c'est attesté dans le fonds d'archives. On a de très nombreux cas où les gens viennent, ils trouvent le cadavre et ils décrivent quelle partie a été mangée. Et on voit bien que ce sont les zones les plus musculeuses ou les plus charnues de l'individu qui a été attaqué, comme les cuisses, la poitrine, etc. Donc, on est vraiment dans une activité de prédation d'un prédateur qui cherche un apport alimentaire rapide et qui, à un moment donné, alors pourquoi la question peut se poser, il a choisi parce qu'il a compris que c'était plus simple de s'en prendre aux petits bergers de 8 ans que de courir après des cerfs ou des animaux sauvages, justement. Et que les décapitations, il faut savoir qu'il y a eu des enquêtes. Hein, la première personne qui a été décapitée, il ne faut pas croire que les gens de l'époque étaient inconsistants ou inconscients. Les autorités de l'époque, il y a eu des enquêtes. C'est-à-dire qu'on remet le corps au prêtre pour l'inhumation une fois qu'il y a eu un minimum d'enquête. Et donc, on peut se douter. D'ailleurs, c'est écrit une fois dans le fond d'archives que voilà, la justice de la baronnie a remis le corps. Donc, il y a eu enquête puisqu'il y a eu personne décapitée et qu'ils ont conclu que c'était une attaque de bête sauvage. Et donc, après, l'inhumation a lieu. Voilà, il ne faut pas s'imaginer que c'est des décapitations. À aucun moment donné, on nous dit qu'on a retrouvé la tête coupée nette, par exemple. On dit que la tête a été séparée du tronc, ou qu'elle a été à moitié rongée, qu'elle a été ouverte en deux. Mais à aucun moment, on dit qu'elle a été coupée nette par un instrument tranchant, ou qu'elle aurait été mise en scène. Voilà, les gens qui parlent de mise en scène, ça n'existe pas dans le fond d'archive. Ce sont des inventions, soit des gazettes de l'époque, soit des écrivains contemporains. Il n'y a aucun document du fonds d'archives qui parle d'une mise en scène avec la tête d'une victime, par exemple. Donc ça, et les différents cas de décapitation ne soulèvent pas beaucoup de questions à l'époque. Hein. Dans les courriers, les chasseurs qui s'en occupent, on voit bien que pour eux, c'est une conséquence naturelle de l'attaque de l'animal sur l'individu qui a été attaqué. Oui, parce que c'est justement ça qui interroge beaucoup de monde. Hein. Moi, quand j'ai fait la vidéo sur le Gévaudan, beaucoup de gens m'ont dit « Oui, mais ça ne peut pas être
incanidé, comme le dit Monsieur Soulier, puisqu'on a retrouvé souvent des mises en scène en fait un peu macabres sur les corps. On a retrouvé les personnes décapitées avec la tête posée à côté. Donc du coup, ça crée quelque chose qui fait dire que voilà, c'est quelque chose d'intelligent, plutôt humain, plutôt qu'un canidé qui aurait tout dévoré sans se préoccuper de tout ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a, oui. Ça crée un effet de confusion en fait. Tout à fait, je comprends. Mais ça, il faut bien savoir que les habits qu'on retrouve à côté du cadavre ou la tête qu'on retrouve déposée par une intervention extérieure à un endroit précis, ça n'existe pas dans le fonds d'archives de la bête du Gévaudan. C'est uniquement, je veux dire, ça n'existe pas dans les rapports de chasse. Les gens qui découvrent les cadavres, c'était très sérieux. Je veux dire, il y a Étienne Lafont, par exemple, le syndic du diocèse de Mende. Pendant de nombreux mois, il va prendre le rôle d'un officier d'enquête judiciaire. Il se rend sur les lieux, y compris en pleine soirée ou en pleine nuit. Il va voir les témoins, il recoupe les témoins. C'est-à-dire qu'il prend les témoins à part pour leur demander chacun leur version. Ils vont voir, et on a des procès-verbaux. Monsieur Antoine, à chaque fois qu'il découvre une victime, il écrit dans quel état on a retrouvé la victime, comment elle était, où était son corps, dans quel endroit, comment était disposé, quelles étaient les parties qui ont été attaquées, etc. Donc, je veux dire, ça, ce sont des inventions des gazettes ou des écrivains contemporains. Les habits à côté de la victime ou la tête coupée nettement posée sur un objet, ça n'existe pas dans les relations qui en sont faites à l'époque et qui sont consignées dans le fonds d'archives. Les témoins directs des découvertes de cadavres n'en parlent pas. Et voilà, pour moi, c'est des pures inventions journalistiques. Et c'est rocambolesque, c'est romanesque, mais c'est pas historique. Il faut faire la différence. Je comprends, moi, vous savez, il y a des critiques qui m'a fait le plus rire au sujet de mon livre, c'est que j'avais vu une personne qui avait écrit sur les réseaux sociaux: oh non, il faut pas que l'enquête soit résolue, vous voyez. Oui. Ça briserait le mythe. C'est pas un jeu. La bête du Gévaudan, c'est pas un jeu, c'est pas pour rire. Je veux dire, il y a une centaine de personnes qui sont mortes, qui ont été dévorées vivantes. Vous imaginez les derniers instants qu'ils ont vécu, poursuivis par un animal sauvage, dévoré à moitié vivant. Il y a des victimes comme on les a retrouvées. On sait qu'elles n'étaient pas mortes au moment où l'animal a commencé à les dévorer. Enfin, je sais pas si vous imaginez ce que c'est que de vous faire dévorer vivant par un animal sauvage. C'est affreux. Et c'est pas un jeu, c'est pas une énigme, c'est pas un puzzle à résoudre. C'est pas qui aura raison ou tort. C'est une affaire véridique historique. Un cas emblématique qui a été évidemment monté en épingle, mais c'est une histoire vraie, c'est des vraies victimes qui ont vraiment souffert, qui sont vraiment mortes, et on leur doit un devoir de mémoire. Ouais, c'est à la mode le devoir de mémoire, on en parle des fois un peu à tort et à travers, mais là, on doit un devoir de mémoire aux victimes de la bête du Gévaudan, et on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi. Alors après, je sais bien, on peut faire vivre un certain commerce local, voilà, on fait des animations, on écrit des livres. Bon, tout ça, c'est très bien, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont réellement morts, qui ont réellement été attaqués par une bête sauvage, qui ont connu des instants dramatiques et effroyables, et peut-être que ça serait bien d'essayer de leur rendre honneur, au moins en racontant la vérité sur cette histoire, et ne pas essayer de raconter n'importe quoi aux lecteurs ou leur faire croire n'importe quoi juste pour des prétextes, je ne sais pas, même pas forcément mercantiles, ça peut être simplement du narcissisme ou de l'idéologie, c'est-à-dire certaines. La bête du Gévaudan est récupérée par beaucoup de gens pour différentes raisons. Ils veulent militer pour ci ou pour ça, ou anti-ci ou anti-ça, ou ils veulent favoriser. Voilà. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai commencé mes recherches, je ne savais pas. Je n'avais pas d'idée préconçue. Je me suis dit, on verra où ça va me mener. Ça m'a mené au loup d'Isservier. Voilà. J'avais aucune idée de ce qu'était un loup-cervier avant de commencer mon enquête. Hein. J'étais comme tout le monde. Si j'ouvrais un dictionnaire, je voyais que c'était un lynx. Jamais j'aurais. Et comme je vous disais, je n'avais pas l'intention au départ d'écrire un livre. Et c'est parce que j'ai fait des découvertes qui m'ont semblé importantes et qui me semblaient avoir été délaissées que j'ai écrit ce livre. Mais je veux dire, voilà, aujourd'hui, moi, ce que j'attends pas de choses particulières. Je fais partie d'aucun cercle, d'aucun club, d'aucune coterie. Je suis tout seul dans mon coin. La bête du Gévaudan n'est pas quelque chose qui m'anime tous les jours, dont j'ai besoin. Ce n'est pas une occupation dans ma vie. Voilà, c'est un sujet historique grave qui m'a intéressé en tant que chasseur, en tant qu'amateur d'histoire, voilà, en tant que jeune enfant qui avait été frappé par ces cartes postales de la bête du Gévaudan étant jeune. Voilà, c'est toutes ces raisons. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que l'énigme soit résolue. Et si elle est résolue par quelqu'un d'autre,
eh bien tant mieux, tant mieux. Et qu'on ait enfin une preuve irréfutable de la nature de la bête. Moi, c'est ce que je veux. Je veux pas qu'on continue à dire bon, non, faut pas résoudre l'énigme, chacun fait sa petite thèse dans son coin. Non, il faut à un moment donné qu'on ait la vérité et qu'on puisse raconter aux jeunes, notamment, qui nous regarderaient, la vraie histoire de la bête du Gévaudan. Et elle n'en sera pas moins intéressante. C'est pas parce qu'on saura enfin quel était l'animal qui était responsable de toutes ces attaques que ça sera moins intéressant. Le sujet n'est pas intéressant parce que c'est un peu paranormal ou inquiétant. Non, le sujet est intéressant parce que c'est une affaire extraordinaire de l'histoire de France. Par son ampleur, par le nombre de personnes qui ont été victimes, même s'il y a eu d'autres cas où il y a eu, on a vu plus de victimes, mais voilà, par sa médiatisation, parce qu'on est à une époque charnière, voilà, ça reste une affaire passionnante, même si on sait finalement, avec la preuve génétique finale, de quelle était la nature de l'animal qui a causé ces dégâts. Et moi, j'espère que c'est, qu'on aura un jour ces résultats-là. Et dans la dévoreuse, moi, j'ai expliqué que je ne savais pas ce qu'était le loup disservier d'un point de vue zoologique. Je ne suis pas zoologiste, je ne suis pas scientifique. J'ai juste découvert via les archives qu'il existait des animaux qu'on appelait les loups disserviers et que ces loups serviers, bah, ils semblaient avoir une apparence assez similaire à travers les époques et les régions pour que les gens les appellent comme ça. Mais je ne sais pas quelle est leur nature génétique. Est-ce que ce sont des simples loups, Canis lupus, ou est-ce que c'est une sous-espèce du loup, ou est-ce que c'est un loup qui aurait été hybride avec d'autres espèces de canidés sauvages? J'avais mis l'hypothèse du Canis dirus. Alors, c'est un loup du Pléistocène, bon, qui malheureusement a été médiatisé par d'autres moyens, notamment la série Games of Thrones, alors que je ne connaissais pas, je n'ai pas lu le livre et je n'ai pas vu la série, donc je ne savais pas que ça avait été à ce point. Mais ce n'est pas du tout l'animal qu'on voit dans la série, d'ailleurs, ce n'était pas des super loups gigantesques, ce n'est pas les Superman des loups, c'était un loup préhistorique, voilà, qui, par les squelettes qu'on en connaît, puisqu'on en a des milliers d'exemplaires disponibles, et notamment le crâne, j'avais retrouvé sur le crâne du Canis dirus toutes les conformations des mesures qui avaient été faites sur la bête du Gévaudan, et notamment la crête sagittale à l'arrière du crâne. Voilà, il y a une espèce de crête osseuse très importante qui a été bien décrite dans le rapport d'autopsie de la bête du Gévaudan et qu'on retrouvait dans les mêmes dimensions, la même apparence sur le crâne du Canis dirus. Les dimensions des dents étaient les mêmes, etc. Donc ça m'avait intéressé et je m'étais dit peut-être que ces loups cerviers, eh bien, en fait, ce seraient des loups qui auraient été hybridés avec d'autres loups, une autre variante de loup, ces fameux Canis dirus. Et puis, il semblerait que ce ne soit pas le cas. On a retrouvé des Canis dirus entièrement congelés avec la fonte du permafrost en Sibérie. Et j'ai vu un article récemment dans la revue Géo qui disait que les analyses qui ont été faites montreraient qu'apparemment, ça aurait été vraiment deux espèces distinctes qui ne se seraient jamais croisées et que la possibilité d'une hybridation entre le Canis dirus et le loup commun ce serait pas possible. Donc voilà, ça c'est un élément scientifique que je prends en compte dans ma deuxième enquête. Et voilà, cette théorie que j'avais émise, eh bien, si elle est invalidée par la science, je serai le premier à la reconnaître, puisque ce n'était qu'une piste d'explication de ce que peut être le loup cervier. Aujourd'hui, en dehors de son appellation vernaculaire, moi je ne sais pas génétiquement ce que c'était encore les loups cerviers. Mais j'aimerais qu'on le découvre. D'accord. Et qu'on en découvre là, d'autres spécimens. Et là, donc, ce Canis dirus, qui était donc un loup préhistorique, vous pensez qu'il aurait pu y en avoir un spécimen qui aurait survécu jusqu'à donc 1764 Non, ce que je disais dans la dévoreuse. Ce que je disais, c'est que en fait, le Canis dirus et le Canis lupus, ils ont cohabité pendant 100 000 ans. Donc, mon hypothèse de travail, c'était que pendant ces 100 000 ans, puisque c'était tous les deux des canidés, il y aurait eu des possibilités d'accouplement qui auraient permis d'avoir des petits génétiquement viables et qui, peut-être, auraient pu créer une sous-espèce, Canis lupus cervus, si vous voulez, qui aurait expliqué ces fameux loups cerviers et qui, du coup, expliquerait pourquoi ces loups seraient plus importants, plus massifs, avec une tête plus grosse, expliquer peut-être pourquoi ils auraient des rayures, une fourrure plus... Voilà. C'était d'essayer de trouver une explication rationnelle et scientifique à pourquoi est-ce qu'il existerait une espèce de loup plus gros et plus agressif que les autres, qu'on appelle loup cervier. Donc, pour moi, c'était une hypothèse de travail, le Canis dirus. Après, il y a d'autres canidés sauvages de la préhistoire qu'on ne connaît pas encore. Alors, il y a des gens qui ont ricané, qui ont dit « Non, mais Guiteau, il dit n'importe quoi. Le Canis dirus, il a disparu il y a 9000 ans. » Tout à fait. Le Canis dirus, c'était un animal du Pléistocène. Il a disparu il y a 9000 ans, mais... 9000 ans, c'était ce matin en termes géologiques.
Je veux dire, les deux animaux ont cohabité pendant 100 000 ans. Donc, si les croisements étaient possibles, ils auraient très bien eu le temps en 100 000 ans de faire une variante qui aurait vécu. Et puis, c'est pas parce qu'ils auraient disparu il y a 9 000 ans que la variante, elle n'aurait pas continué. Et puis, en plus, 9 000 ans, peut-être qu'ils ricanent, mais alors, ça veut dire qu'ils connaissent pas les requins qui existent sur Terre depuis 200 millions d'années. Donc, 9 000 ans à côté de 200 millions d'années, excusez-moi, mais c'est quoi le plus ridicule des deux? Et les requins ne sont pas les seuls survivants de l'ère préhistorique qui existent toujours aujourd'hui. Donc, je veux dire, moi, mon hypothèse de travail, c'était pas que le Canis dirus ait survécu en tant que tel, c'est que des gènes du Canis dirus aient survécu dans la population de loups et auraient expliqué ces fameux loups cerviers, plus gros et plus agressifs. D'accord, mais maintenant, mais du coup, c'est pas le cas. Ouais. Mmh. Mais du coup, l'appellation loup cervier, elle est quand même un peu. Elle n'est pas scientifique. C'est une appellation populaire, si vous voulez. C'est nos ancêtres ils appelaient certains loups des loups cerviers. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un fait historique. Voilà. Certains de nos ancêtres appelaient certains loups des loups cerviers. Moi, ce que j'ai cherché à savoir, c'est qui étaient ces loups cerviers, à quoi ils ressemblaient, pourquoi nos ancêtres les appelaient des loups cerviers, pourquoi ils avaient peur d'eux. Et après, j'ai essayé de réfléchir, aujourd'hui, effectivement, on peut dire qu'il a existé des loups par le passé que nos ancêtres appelaient des loups cerviers. Alors, est-ce que c'était des loups communs que ils appelaient des loups cerviers en se trompant? J'en sais rien. Ou est-ce que c'était simplement tous les loups qui étaient un peu plus gros que d'habitude, ils les appelaient des loups cerviers? Peut-être. C'était la théorie du professeur Morisseau. Il expliquait que le loup cervier, c'est simplement quand on voyait un loup plus gros que d'habitude, on l'appelait loup cervier ou loup carnassier. Bon. Moi, ça ne m'a pas semblé satisfaisant, donc j'ai cherché un peu plus. Et depuis, on m'a fourni d'autres documents et j'ai découvert d'autres documents qui vont dans le sens de des découvertes que j'avais faites avec la dévoreuse. C'est que oui, pendant plusieurs siècles, nos ancêtres ont appelé un certain type de loup des loups cerviers. Maintenant, est-ce que c'était des loups communs, mais juste parce qu'ils avaient une apparence un peu différente, mais est-ce que c'était des Canis lupus génétiquement, je ne le sais pas encore, j'en sais rien. Par contre, je suis sûr que les loups cerviers ont existé et qu'on les a en partie oubliés. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus et les éléments que j'ai eus depuis n'ont fait que le confirmer. Donc petit à petit, on va réapprendre à découvrir et redécouvrir le loup cervier. Peut-être qu'au final, c'est une impasse et que en fait, c'est simplement une appellation abusive, si vous voulez. Qu'en fait, c'était des loups comme les autres. Qui n'ont rien de particulier. Oui, qui étaient peut-être un peu plus gros et puis qu'on appelait loup cervier, comme vous le dites, une appellation. Génétiquement, populaire. En fait, ça, aujourd'hui, je ne le sais pas et je ne vais pas affirmer le contraire. Et je n'ai jamais dit dans La Dévoreuse que la bête du Gévaudan était un Canis dirus. Les gens qui ont prétendu ça n'ont pas lu le livre ou ils ont fait semblant de ne pas le comprendre. Bon, voilà, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, après. Vous pensez, par exemple, que les autres attaques de bêtes ailleurs en France auraient pu être commises aussi par ce même type de loup Oui, alors oui, d'accord. Je pense que certaines autres affaires de bêtes féroces montrent l'implication des loups cerviers, mais attention, c'est ce que je disais aussi dans La Dévoreuse, il ne faut pas en venir à l'extrême qui dirait que les loups cerviers sont systématiquement des mangeurs d'hommes. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas dit ça. On voit qu'il y a une certaine implication du terme loup cervier quand il y a des affaires de bêtes féroces, mais ça ne veut pas dire que tous les loups cerviers s'attaquaient aux êtres humains. Peut-être qu'il y a des loups cerviers, c'est-à-dire des gros loups rouges, un petit gris à tête plate, qui étaient repérés, mais qui ne s'attaquaient pas forcément à l'être humain. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la prédation sur l'être humain, elle s'explique peut-être par simple opportunisme. Peut-être c'est un animal qui n'était pas adapté, pour une raison X ou Y, a été rejeté de sa meute et qui, au départ, il n'a pas appris à chasser comme lui ont montré ses parents en meute, des cerfs ou les proies traditionnelles des loups. Il s'est retrouvé à un moment donné affamé, il voit un petit enfant de 8 ans dans un champ, il l'attaque, il le mange, il se dit « bon, finalement, c'était pas mal, ça ne m'a pas coûté beaucoup d'efforts ». Et du coup, il recommence et il développe un comportement purement opportuniste. Vous voyez, il ne faudrait pas croire que les loups cerviers sont programmés pour attaquer l'être humain et que c'est des mangeurs d'hommes et que j'ai jamais écrit ça non plus dans La Dévoreuse. Ce que j'ai dit, c'est qu'on retrouve l'appellation loup cervier pas seulement dans l'affaire de la bête du Gévaudan, mais aussi dans de nombreuses autres affaires de bêtes féroces.
Ça ne veut pas dire que toutes les bêtes féroces étaient des loups cerviers. Ce n'est pas non plus ce que j'ai dit. Donc, vous voyez, c'est une piste de travail. C'est un élément factuel qu'on retrouve régulièrement. Et ce que j'ai appelé dans la dévoreuse, c'est les autres chercheurs, les gens dans les autres régions qui ont des documents, c'est de faire des recherches sur les autres bêtes féroces aussi. C'est pas que de se focaliser sur la bête du Gévaudan, mais c'est aussi d'avancer nos connaissances et de faire le même travail pour les différents cas de bêtes féroces qu'il y a eu dans les différentes régions en France. Voilà, puisque c'est aussi intéressant pour notre savoir et pour mieux connaître l'histoire de France, de aussi pouvoir avancer, trouver d'autres documents et d'autres explications pour les différents cas de bêtes féroces. Il n'y a pas que la bête du Gévaudan. Elle est spécifique dans notre imaginaire. Elle a été très médiatisée, mais c'est pas un cas unique. C'est pas un cas unique. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va un peu à l'encontre ceux qui pensent que c'est un complot, puisque malheureusement, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, les gens dans le temps passaient leur temps à dresser des animaux, à tuer les autres. J'allais y venir justement à vous poser la question sur ça. Est-ce que vous pensez, beaucoup se demandent, hein, est-ce que cet animal aurait pu être dressé justement par quelqu'un, alors dans un but qui aurait pu être tout et n'importe quoi, et on a beaucoup lu là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible? Mais quel est l'alibi? Quel est le motif? À qui profite le crime? Depuis 40 ans, on sait par exemple l'histoire du prince de Conti, qui est quand même assez particulière. Il aurait pu. Ouais, c'est quoi les éléments factuels, historiques, pour étayer cette théorie? Enfin, je veux dire. Parce que l'hybridation, ça fait 40 ans qu'on nous dit la bête, telle que le décrit le rapport Marin, ce n'est pas un loup. Bon, alors déjà, il faudrait pouvoir établir toutes les variantes possibles et imaginables de loups du XVIIIe siècle, ce qu'on ne peut pas faire puisqu'on a perdu 90% du matériel génétique des loups de cette époque. Bon, ensuite, il faudrait nous dire, OK, on prend un loup du XVIIIe siècle, on l'hybride avec un chien. Au XVIIIe siècle, il n'y a qu'une cinquantaine d'espèces de chiens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les 400 chiens, espèces de chiens qui existent, ils ont toutes été créés par l'homme quasiment, par des croisements et des hybridations justement pour faire telle race, développer telle et telle caractéristique. Mais au XVIIIe siècle, il n'y a pas plus d'une cinquantaine d'espèces de chiens, de races de chiens. Donc déjà, il faudrait que les gens qui nous avancent cette théorie, ils connaissent ces 50 races de chiens du XVIIIe siècle. Ça ne semble pas être le cas. Et qu'ensuite, ils nous proposent un candidat. Quelle est la race de chiens du XVIIIe siècle qui, une fois hybridé avec un loup, nous donne un animal qui ressemble à l'animal décrit par Marin? Moi, les seuls exemples que j'ai vus, c'était des animaux qui n'existaient même pas au XVIIIe siècle. Donc, et je ne sais pas, depuis 40 ans qu'on nous propose cette théorie, j'aimerais bien qu'on voit des images. OK, faites-nous voir des chiens-loups qui ressemblent à la description de la bête du Gévaudan. Il n'y en a pas, ce n'est pas possible. Et ensuite, quel est le motif? Pourquoi? Alors, on a accusé tout le monde. Tout est son contraire, OK. Un duo de criminels, un criminel seul, il aurait dressé à tuer, mais pourquoi? Quel était son alibi? Quel était son motif? Quel était le but qu'il poursuivait? Bon, on ne nous offre aucune explication là-dessus. Ensuite, il faut bien imaginer, le Gévaudan, dès les premiers mois de l'affaire, quand c'est médiatisé, tout le monde a peur. Les gens ne se déplacent plus qu'en bande. Ils se déplacent à pied. À l'époque, les gens se déplacent à pied. Il n'y a que les nobles qui se déplacent à cheval, ou en carriole, mais dans le Gévaudan. On est encore dans un système très rural, les chemins sont en très mauvais état, la voirie est vraiment rudimentaire, les nobles se déplacent à cheval, les pauvres, les serfs, les roturiers se déplacent à pied. Bon, et les petits paysans du Gévaudan, ils se déplacent à pied de village en village, donc ils se groupent. Quand ils font le trajet, ils ont peur, ils se déplacent en groupe de 5 ou 6 et ils ont des bâtons dans lesquels, au bout, ils ont accroché avec une ficelle leur couteau ou une lame pour se défendre. Ils n'ont pas le droit, ce sont des roturiers, ils n'ont pas le droit de porter des armes à feu. C'est aussi pour ça que l'animal a vécu si longtemps. Parce que si tout le monde avait été armé, au bout de 6 mois, l'affaire, elle était pliée. Même si elle était résistante, même si elle était très évasive, même si elle était très athlétique, au bout d'un moment, quelqu'un l'aurait tué. Mais là, il y a tellement peu de gens qui ont des armes à feu et qui savent s'en servir que la bête, bien souvent, elle fait affaire qu'à des gens qui n'ont pas d'armes ou qui ont simplement un bâton avec une lame au bout, comme la fameuse Jeanne Jouve sur le pont de Pollack. Bon, voilà. Donc, ces gens-là, est-ce qu'on a vu une seule fois, dans le fond d'archives, quelqu'un qui nous dit « j'ai vu la bête avec son meneur ». Non. La bête, si elle est domestiquée, la domestication, c'est quoi? C'est l'apport à un animal de sa nourriture par un être humain. Si vous savez, la bête, elle se promène des fois, elle fait des centaines de kilomètres ou des dizaines de kilomètres dans la nuit, elle passe d'une région à l'autre, elle franchit la Truyère, elle franchit la Margeride, elle va jusqu'en Aubrac et revient.
Ça veut dire qu'elle se déplace, je ne sais pas, pendant une semaine, loin de son dresseur. Donc, si elle est capable de se nourrir toute seule, elle n'est plus domestiquée, puisque c'est la base de la domestication. Si elle est libre et qu'elle est capable de se déplacer tout seule, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi elle reviendrait vers son dresseur? Ça n'a pas de sens. C'est complètement stupide. Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt? Le principe de la domestication, c'est que l'animal est dépendant de son meneur. Il ne peut pas survivre sans lui. Si l'animal, il peut vivre 15 jours dans la nature tout seul en étant capable de se nourrir lui-même, mais pourquoi est-ce qu'il reviendrait vers son dresseur alors qu'il est libre? Parce qu'il l'aime bien. Enfin, si on en est à ce niveau d'explication, moi je veux bien, mais bon, après on peut dire tout et n'importe quoi, comme la bête a été amenée par des extraterrestres, ou c'était des soldats cannibales qui se déguisaient en loup. Enfin, je veux dire, après, pourquoi pas, on peut tout inventer, mais à un moment donné, il faut rester jamais pendant les 3 ans qu'a sévi l'affaire, alors que tout le monde a peur, que les gens se déplacent tous en groupe, que le pays est constamment sous surveillance de chasseurs, de militaires, des autorités. Personne n'a jamais vu le meneur avec la bête. Personne n'a jamais vu dans quoi la bête est-elle transportée, si elle se promène pas tout seul, je sais pas, dans un panier à cheval, dans une carriole. Personne n'a jamais vu la même personne sur des lieux d'attaque. Non, jamais. Donc, mais qui est son meneur? Qui est celui qui l'a dressé? Puisqu'on ne le voit jamais. Il n'apparaît jamais sur les lieux d'attaque. Il n'est jamais vu avec la bête. La bête, par contre, elle est vue souvent avec un deuxième spécimen, plus petit. Ça, c'est dans le fond d'archives. On dit souvent la bête, on a vu la bête avec sa femelle. On a vu la bête avec ses petits. Il faut savoir. C'est ce que disait aussi Bernard Soulier. Ouais. Mais en 1767, l'affaire se finit définitivement, non pas quand on a tué la bête de Chastel, mais quand on a tué sa louve et ses louveteaux. Ce que beaucoup d'auteurs oublient, c'est que l'affaire ne s'arrête pas au mois de juin avec la mort de la bête de Chastel, qu'on a autopsiée, on a fait le rapport Marat, etc., qu'on envoie à Versailles, etc. Non, les chasses continuent. Le marquis d'Apcher continue à faire des chasses et l'affaire ne se termine vraiment que quand on a tué une louve et des louveteaux. Donc, c'est un clan familial. Ce n'est pas une meute. Familial, et c'est peut-être une des spécificités de la bête, c'est qu'elle chasse seule, mais qu'on la voit régulièrement avec une femelle, un animal plus petit, et qu'on suppose que c'est elle qui nourrit le clan familial, et que la femelle ne chasse pas, et les petits, évidemment, s'ils sont nourris avec de la chair humaine, et bien forcément, ils vont reproduire le schéma de prédation que va leur enseigner. Et puisqu'il y a eu 2 bêtes de tuées, de toute façon, une par François-Antoine, le porte-arquebuse du roi en 1765 et une en 1767, on sait qu'il y a eu au moins 2 animaux. Donc, il y a de fortes chances pour que ce soit 2 animaux du même clan familial. Et si ces loups cerviers sont beaucoup plus gros, ils pourraient très bien accéder à l'état adulte en quelques mois seulement. Et donc, avoir une apparence qui est rapidement celle d'un loup ou de la taille d'un loup commun, alors qu'ils ne sont pas encore arrivés totalement à maturité, vous voyez. Puisque au final... Là... Ils font 55 kilos. Donc, imaginez, à 6 mois, ils peuvent déjà faire facilement 35 kilos ou 40 kilos. Donc, déjà être plus gros qu'un loup commun. Et donc, quand on les voit, on pense que c'est un spécimen adulte, alors qu'en fait, non. Ce qui pourrait expliquer aussi des fois des anomalies qu'on a remarquées sur la dentition, etc. Et puis, il faut savoir qu'à cette époque-là, les chasseurs ont des très mauvaises pratiques. Ils n'ont pas une science balistique très élaborée. Ils s'amusent à empiler les balles dans le canon, ce qui est totalement prescrit aujourd'hui. On ne fait jamais ça. Ou alors, ils multiplient les charges de poudre. Parce qu'ils se disent, si je mets le double de poudre, ça va être 2 fois plus puissant. Ou si je mets le triple de poudre, ça va être 3 fois plus puissant. Non, la poudre noire, à un moment donné, ce n'est pas exponentiel. C'est-à-dire que ça plafonne, la puissance plafonne. Si vous augmentez la dose de poudre, vous allez simplement augmenter le recul. Donc, à un moment donné, vous allez vous retrouver sur le cul où ça va vous briser l'épaule, mais la balle ne sera pas forcément plus puissante pour atteindre l'animal. Et de toute façon, le recul va être si important que vous n'allez pas pouvoir viser correctement. Ce qui est d'ailleurs arrivé à M. Antoine quand il a tué son loup. Il explique qu'il a quasiment perdu le contrôle de son arme parce que, évidemment, en fait, c'est le légendaire de l'animal, il avait surchargé son arme. Bon, il a réussi tout de même à le tuer. Mais voilà, c'est toutes ces raisons que j'ai expliquées dans la dévoreuse qui font que l'animal est difficile à tuer parce que les armes de l'époque ne sont pas très ergonomiques. On en est encore quand même au rudiment des armes à feu. Et puis, il faut bien dire, c'est que les gens ne savent pas tirer. Les gavots n'ont pas le droit de posséder des armes à feu, donc ils ne savent pas les utiliser. Et quand dans les chasses, on leur met dans les mains, ils ne savent pas les utiliser.
Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup. Et les seuls qui ont blessé la bête ou qui ont tué une bête, et ben, comme par hasard, ce sont des chasseurs professionnels ou des gens comme les frères de la Chaumette, M. Marley de la Chaumette, qui était maire de Saint-Chély, qui a tué grièvement la bête au 1er mai 1765. Et le fonds d'archives nous dit qu'ils sont parmi les chasseurs les plus réputés du royaume. François-Antoine, c'était le porte-arquebus du roi. Ça fait 40 ans qu'il chassait avec Louis XV. Donc la chasse, il connaît, c'est son métier. Lui, il a tué une bête. Chastel, c'était le braconnier de chasse du coin. Il a tué la chasse, c'était son métier. Lui, il a tué une bête. Les frères de la Chaumette, on nous dit que c'était les chasseurs les plus réputés du canton. Ils ont blessé grièvement une bête. On n'a pas retrouvé son cadavre, on ne sait pas si elle a été tuée. En tout cas, on sait que les deux frères l'ont blessé grièvement, elle a perdu beaucoup de sang. Monsieur Duverny de la Védrine, le verrier de Nozérolles, c'est un noble, il a une arme à feu, il sait s'en servir, il a blessé la bête, il croit lui avoir cassé la patte. D'ailleurs, quand on va autopsier la bête de Châtel, on retombe sur la cuisse arrière qui semble correspondre à la blessure que lui a infligée Monsieur Duverny de la Védrine 2 ans plus tôt. Donc en fait, on se rend compte que cette soi-disant invulnérabilité de la bête, elle n'existe pas dans les faits. C'est une construction, c'est un mythe. C'est-à-dire que quand on met une arme à feu dans les gens, dans les mains des gens qui savent s'en servir, ben, la bête, soit elle est blessée, soit elle est tuée. Après, il y a tous les autres qui ne savent pas tirer ou qui ne veulent pas admettre qu'ils ont mal tiré, parce que ça, c'est typique des chasseurs. Je suis chasseur et je suis le premier à vous le dire. Quant à la chasse, on tire un animal et qu'on le rate dans des conditions qui semblent idéales, on ne se vante pas devant tout le monde en disant « Ah, mais je tire vraiment comme un clown. » Non, « Ah non, mais elle a sauté au dernier moment, je n'ai pas bien vu. Enfin, » on s'invente toujours tout un tas de prétextes. Ou alors « Si, si, je l'ai touchée, j'ai vu, elle s'est assise, mais elle est repartie. Enfin, je l'ai blessée. » Puis après, on met les chiens, mais non, on ne retrouve jamais une seule goutte de sang parce que ce n'est pas vrai, on l'a juste manqué. Mais on ne veut pas s'admettre qu'on a mal tiré. Et puis à l'époque, il faut bien s'imaginer que tout le monde a peur. À un moment donné, dans le fond d'archives, on nous explique qu'il y a un chasseur. Il a une arme à feu, la bête passe quelque part de lui, mais c'est des armes qui ont un coup. Donc, vous n'avez pas intérêt à vous rater. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il n'a pas osé tirer. Et il l'a laissé passer. Pourquoi ? Ben, non, il a peur. Elle a déjà tué des dizaines de personnes. Imaginez, vous vous retrouvez avec une arme comme celle-ci face à un animal que vous savez, il a déjà tué des dizaines de personnes. Vous avez un seul coup, parce qu'il va vous falloir plusieurs minutes pour la recharger. Donc, vous n'avez pas intérêt à vous rater. Vous vous dites, bon, elle passe devant moi, elle ne semble pas m'avoir plus remarqué que ça. Est-ce que je prends le risque de tirer son attention et de la blesser ? Et si, imaginez, je ne la blesse pas grièvement, elle va être très, très en colère contre moi. Donc, elle risque de se jeter sur moi. Et après, j'aurais plus d'armes à feu pour me défendre. Donc, vous voyez, enfin, je veux dire, la soi-disant invulnérabilité de la bête, elle peut s'expliquer par différentes façons. Puis après, ça peut arriver aussi que, je veux dire, la bête a été touchée par des projectiles, mais les projectiles ont rebondi sur son pelage ou la charge n'était pas bonne. Il faut savoir qu'à l'époque, la qualité des poudres a été très variable. Il n'y a que les poudres royales qui fournissaient une qualité de poudre assez homogène et régulière, mais les gens qui faisaient des fabrications locales de poudre avec la salpêtrière, etc., la qualité de la poudre noire, elle pouvait être très variable. Si elle avait pris un peu l'humidité, elle était vite très dégradée. Enfin, il y a tout un tas de raisons techniques et balistiques qui expliquent. C'était pas si simple que ça. Les gens pensent que la chasse, c'est simple, mais je vous assure que non. Il faut tirer beaucoup, beaucoup de balles pour tuer un animal, même aujourd'hui avec une arme à feu moderne. On ne tue pas un animal à chaque fois qu'on tire une balle. Je sais pas, le ratio aujourd'hui dans la chasse moderne, je pense que c'est un gibier abattu pour 10 balles tirées. Donc imaginez au XVIIIe siècle avec une arme comme celle que je viens de vous présenter, dans les conditions climatiques qui étaient celles du Gévaudan en hiver. Avec la pluie, la neige, le vent, la maniabilité de l'arme, le fait que les gens ne savent pas s'en servir, voilà des raisons objectives. Qui sont des. C'était pas du tout ça. Simple. Un petit problème de son. Pour moi, l'invulnérabilité de l'aide, en tout cas, peut s'expliquer par puisque. L'arme en question peut traverser une plaque d'acier, donc une cuirasse en cuir, en peau de sanglier. D'ailleurs, c'est ce que j'avais écrit dans La Dévoreuse, mais si les peaux de sanglier étaient résistantes aux balles, comment est-ce que les chasseurs feraient pour tuer des sangliers ?
Non? Enfin, je sais pas, c'est une Alors, est-ce que c'était question. pas des trucs, du cuir superposé? Il n'y avait pas quelque chose sous peut-être la peau de sanglier? Il y avait peut-être une. Bah, écoutez, après, vous pouvez en Après, prendre une l'animal photo. aurait eu du mal à se mouvoir aussi. Il aurait eu du Oui, mal à oui, courir. Je veux dire, ça aurait été très il y a des compliqué gens qui aussi l'ont vu de d'imaginer très tout près quand même. ça. Il y a des gens. Tout le monde n'a pas été tué par la bête. Il y a des gens qui ont été attaqués, mais qui ont survécu. Donc ils l'ont vu de très près quand même. Ils ont été mordus par l'animal, mais ils ont survécu. Donc ces gens-là, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas non plus les prendre pour des idiots. Même si c'était des petits paysans qui ne savaient pas forcément lire et écrire, ils avaient une connaissance de la nature et des choses naturelles qui est beaucoup plus développée que celle de l'homme moderne. Moi, je vous mets au défi, Damien, de reconnaître l'odeur d'un loup ou d'un renard, par exemple. Et c'est quelque chose que les petits paysans du Gévaudan savaient faire, par contre. Vous voyez? Donc, il ne faut pas croire, ils avaient une connaissance de la nature et des animaux qui est supérieure à la nôtre aujourd'hui. Ils auraient vu un chien loup donner une carapace, à un moment donné, quelqu'un l'aurait dit. Et il faut bien savoir qu'à aucun moment donné, dans les 600 documents dont je vous parlais tout à l'heure, qui constituent le fond de l'archive de la bête du Gévaudan, pas une seule fois n'est mentionné le mot chien-loup. C'est-à-dire que les gens parlent de tout, de lion, de léopard, de tigre, de hyène, de bête féroce, de loup cervier, de loup carnassier, d'ours, on a parlé d'ours, mais jamais, pas une seule fois, on ne parle de chien ou de chien-loup. Donc voilà, je veux dire, pour moi, déjà la première cause de réfutation de la thèse de l'hybride du chien et du loup, c'est que pas un seul témoin de l'époque n'a dit c'était un chien-loup ou un chien. Bon. Donc, pourquoi l'inventer 250 ans après? Et puis ensuite, je dis, OK, amenez-moi la race de chien du XVIIIe siècle qui, croisée avec un loup, va donner le phénotype exact de la bête du Gévaudan. Et puis, de toute façon, je vous expliquerai aussi comment on retrouve des bêtes féroces partout en France, à différentes époques, qui se comportent exactement de la même façon, qui attaquent des enfants à proximité des habitations, en plein jour, qui les se jettent à la gorge, qui éventuellement les décapitent, parce que ça c'est pareil. J'ai montré dans La Dévoreuse que dans d'autres affaires de bêtes féroces, il y a des cas de décapitation. Donc ça veut dire quoi? Alors il y avait des serial killers partout dans toutes les régions de France qui dressaient des bêtes pour décapiter des gens. Enfin, à un moment donné, enfin, il faut être cohérent, non? Il faut trouver des arguments, c'est bien de vouloir faire du romanesque, etc. Mais il faut pouvoir avoir des réponses cohérentes à des questions légitimes. Ce que moi ne me semble pas. Et c'est pour ça que j'avais consacré beaucoup de pages dans La Dévoreuse aux autres théories, notamment celle-ci. Et j'avais montré toutes les raisons, toutes les pièces à conviction, les démonstrations qui faisaient que cette théorie n'avait pas lieu d'être suivie. Après, voilà, certaines personnes m'ont accusé d'être trop méchant. Bon, je ne sais pas si c'est le bon adjectif, mais c'est la quête de la vérité, voilà. Vous voyez, mon exigence personnelle, c'est celle-ci, c'est la quête de la vérité. Après, si ça implique d'être parfois un peu, comment je dirais, définitif vis-à-vis de certaines théories, ben oui, je suis désolé, mais comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui sont vraiment morts et il y a beaucoup d'enfants qui ont été tués. Voilà, et la moindre des choses, c'est de raconter ce qui s'est réellement passé et d'essayer de savoir les zones d'ombre qui restent. Voilà. Ok. Donc pour vous, vraiment, l'idée de quelqu'un qui soit derrière la bête ou qui se serve de cette bête pour tuer, c'est absolument impossible alors. Oui, alors ça n'a pas de sens, premièrement, puisqu'on a, on n'a pas réussi à démontrer quels pourraient être les motifs légitimes, parce que bon, embêter Louis XV, enfin, des complots entre nobles, mais quel but? Pourquoi? À qui profite le crime? Par exemple, le courrier d'Avignon. On sait pourquoi. Voilà, on sait qu'à Avignon se trouvent des jésuites que Louis XV a fait expulser de Paris pour des dettes non payées, etc. Donc on sait qu'il y a éventuellement des gens qui, sur Avignon, ont du ressentiment. Et comme par hasard, c'est le courrier d'Avignon qui va émettre le plus de courriers sensationnalistes ou très critiques sur l'affaire de la bête du Gévaudan. Bon, voilà, donc là, on a effectivement, pas un complot, mais une raison d'un certain comportement qui peut s'expliquer. Voilà, il y a une rivalité entre Louis XV et certains groupes de jésuites qui expliquent qu'ils se servent ensuite du courrier d'Avignon pour régler leur compte. D'accord, ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont dressé la bête pour tuer les gens, vous voyez. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant 3 ans, c'est quand même pas très grand, la marge ride. Et à la fin, à partir de 1765, la bête escantonne dans une région dite des Trois-Monts.
ça fait quelques dizaines de kilomètres. Enfin, je veux dire, c'est pas gigantesque. Cette région, elle est constamment battue par des chasseurs. Presque, il y a des chasses presque tous les jours. Je pense que Bernard Soulier a dû vous expliquer qu'il y a eu des chasses qui mobilisaient plusieurs dizaines de paroisses, des dizaines de milliers de personnes qui, d'un seul coup, se retrouvaient tous à une heure précise et qui battaient la campagne tous en même temps. Donc, si la bête avait été menée par un meneur, un dresseur, pourquoi on ne l'a jamais vu? Pourquoi en 3 ans, on n'a jamais vu ce meneur? Pourquoi on n'a jamais vu la même personne sur 2 lieux d'attaque différents? Et vous vous rendez compte? La bête, elle est apparue dans le Vivarais, c'est-à-dire l'Ardèche d'aujourd'hui, sur la commune des Ubacs, Saint-Étienne de Luc d'Arès. Par rapport à la zone des Trois-Monts, le Mont Mouchet, où elle a été tuée en 1767, avec les moyens de l'époque, c'est comme si elle était apparue à Berlin et qu'elle venait finir à Biarritz. D'accord, donc du coup, pour cette arme à silex, de ce que vous nous disiez, tout à l'heure, je voulais juste rebondir sur le fait que vous aviez dit que les balles pouvaient aussi rebondir sur, par exemple, le pelage de l'animal. Mais comment ça peut se faire, ça? C'est-à-dire, par exemple, un chargement qui est mal fait, comment ça peut être possible? Alors, oui, ça peut être un chargement, puisque... À l'époque, ce sont pas des munitions manufacturées. Aujourd'hui, quand vous allez à la chasse, vous achetez une boîte de munitions qui est fabriquée avec des moyens industriels, voilà, et elles sont prêtes à l'emploi. Vous avez vu qu'à l'époque, il fallait vous-même verser une dose de poudre dans votre arme, rajouter une balle que vous aviez coulée vous-même ou que quelqu'un avait coulée pour vous, mais tout ça est très artisanal et du coup, il n'y a pas d'homogénéité dans le chargement, si vous voulez. Même vous, votre arme, vous pouvez mettre un coup, quelques grains de poudre en plus, en moins, la balle elle peut être plus ou moins sphérique quand vous l'avez sortie du moule, suivant le temps que vous l'avez trimballée dans votre poche, elle peut s'être aplatie un peu, elle peut avoir des facettes, enfin, voilà, du coup, les munitions sont pas du tout aussi homogènes en qualité qu'aujourd'hui. Et puis ensuite, si vous tirez par exemple des chevrotines, ce qu'on appelle aujourd'hui des chevrotines, c'est-à-dire du très gros plomb, voilà, vous en mettez une dizaine dans votre canon, mais suivant l'angle, les chevrotines, c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas forcément autorisé à la chasse systématiquement ou dans toutes les régions, c'est parce que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que ça rebondit. Parce que du coup, le petit plomb, ça rebondit également, mais comme il est de très petite taille, bon, s'il y a un plomb qui rebondit, c'est pas très dangereux, mais les chevrotines, c'est suffisant pour blesser grièvement ou tuer une personne si un seul des grains de chevrotine rebondit. Et voilà. Donc, suivant l'angle où vous tirez, imaginez, vous ne tirez pas l'animal bien en travers, mais il s'enfuit, donc en arrière, en trois quarts arrière, ou devant, il vient face à vous, avec l'angle, avec le pelage de l'animal, qui est assez important. Voilà, il se peut que un des plombs, bah, avec l'angle, il ne pénètre pas bien et puisse rebondir, ou en tout cas, rebondir, c'est peut-être un terme un peu exagéré, mais parce qu'il y a quand même une certaine énergie cinétique qui fait qu'il y a une certaine force de pénétration, mais il peut faire simplement, je dirais, une blessure superficielle. Voilà, le grain va se ficher sous le poil, sous la peau, mais il faut, pour pouvoir blesser grièvement ou tuer l'animal, il faut qu'il touche un organe vital. Donc, il faut qu'il traverse le cuir. Le muscle et qu'il atteigne l'organe vital en dessous. Donc, s'il reste dans le poil, dans la peau ou dans le muscle, l'animal souffre, mais en aucun cas il est en danger. Je veux dire, il va survivre. D'ailleurs, la bête de Chastel, elle est pleine de cicatrices. On retrouve des grains sous sa peau. Donc, c'est la preuve qu'elle a été tirée des dizaines de fois. Vous voyez, mais c'est pas parce qu'elle est invulnérable, c'est simplement parce que les chargements de l'époque étaient pas homogènes, les gens faisaient pas forcément des chargements, et puis ils savaient pas tous forcément très bien tirer. Alain Parbeau aussi nous a expliqué que, faut pas oublier que la consommation de vin a beaucoup baissé en France depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais au XVIIIe siècle, la consommation moyenne, c'est 3 litres de vin par personne. Donc quand vous avez bu 3 litres de vin, même si vous avez bu l'habitude, bon, voilà, c'est pas super pour une activité comme la chasse, vous voyez. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de facteurs. Le froid, quand vous avez froid, vous avez les doigts engourdis. Ce qui fait que, voilà, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des raisons objectives, simples, techniques, qui font qu'on peut très bien expliquer que l'animal n'a pas été tué ou pas été blessé grièvement, systématiquement. Par contre, on voit qu'il a été... d'ailleurs, la première bête tuée par Antoine aussi, elle avait plusieurs cicatrices, et on voit qu'elle avait déjà été tirée. Mais c'est pas... même encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'animaux qui survivent à des tirs réalisés à la chasse. Hein. Tous les tirs sont pas mortels. Sans qu'ils aient une cuirasse, ou c'est simplement que les conditions du tir n'étaient pas optimales. Normalement, un chasseur responsable... avec un minimum de sens de l'éthique, il doit faire que des tirs dans des conditions satisfaisantes.
pas dangereuse pour les autres, mais en plus où il doit être en mesure de tuer l'animal sans le faire souffrir, vous voyez. Mais sauf qu'à l'époque, là, on est en train de chasser une bête féroce qui fait peur à tout le monde, qui a tué des dizaines d'enfants, donc on veut l'abattre, quoi, et on se soucie pas vraiment de la qualité du tir, ou si jamais elle passe, bah, soit on veut pas trop la tirer parce qu'on a qu'un coup et on veut pas trop se manquer, soit on la tire, mais des fois, peut-être qu'il y a des gens, ils l'ont tiré dans des conditions qui étaient pas bonnes du tout, mais ça, le fond d'archive est pas assez précis pour nous le dire. Ils nous disent juste, je l'ai tiré à 12 pas, oui, mais tu l'as tiré comment? Par le travers, par devant, elle s'en allait, enfin, il faisait jour et c'était le crépuscule, la nuit tombait, enfin, il faisait beau ou pas, on n'a pas souvent des indications. Oui, on manque de contexte. On manque de contexte, vous voyez, c'est pas précis. On sait que, bon, et puis 12 pas, qui les a mesurés, voilà, c'est ou 50 pas ou 60 pas, c'est pas des distances précises, on manque de précision sur le contexte, on sait pas toujours quelle est l'arme qui a été utilisée, mais comme je vous le disais tout à l'heure, par contre, quand ce sont des chasseurs expérimentés, les frères de la Chaumette, ils ont blessé grièvement une bête. François-Antoine, il a tué une bête. Chastel, il a tué une bête. Voilà. Quand ce sont des chasseurs professionnels qui connaissent les armes à feu de l'époque, eh ben, les résultats sont quand même beaucoup plus parlants que des chasseurs lambda. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, la somme des gratifications offertes pour la destruction de la bête approche les 600 000 euros actuels. Donc, vous imaginez que ça a attiré tout un tas d'aventuriers qui venaient pour toucher le gros lot, qui se sont dit, oh bah, attendez, on va aller en Gévaudan, là-bas, il y a une bête féroce à tuer, on y va, en une semaine, c'est plié, puis on va être riche. Donc voilà, mais ces gens, est-ce qu'ils étaient des chasseurs compétents? Est-ce qu'ils avaient des armes en bon état? Est-ce qu'ils savaient tirer? Ou est-ce que c'était simplement des aventuriers attirés par la patte du gain? On ne sait pas. Je veux dire, en dehors de Chastel, François-Antoine, les frères de la Chaumette, ou la plupart des fois, on sait qu'il y a eu des tirs, mais on ne sait pas qui a tiré, on ne sait pas est-ce que c'est un tireur occasionnel, est-ce que c'est un tireur expérimenté, on ne sait pas trop. Et bon, c'est, on manque de contexte, comme vous le disiez, Damien, sur les conditions de ces tirs, ce qui fait que dire qu'ils étaient inefficaces parce que l'animal portait une cuirasse, ben, c'est un peu aller vite en besogne. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres explications plus simples, plus logiques, comme j'ai expliqué. Et puis, de toute façon, de la cuirasse, c'est pas seulement cette arme. Alors, est capable un petit bug de à nouveau. Perforer une plaque d'acier. Bon, une cuirasse, il y en a plusieurs centaines d'années. Et, enfin, voilà. C'est, non, comme je vous le disais, c'est pas. D'accord, ok. C'est pas. Pour moi, c'est une impasse, cette solution. C'est romanesque, mais c'est une impasse. Et c'est, si on veut chercher la vérité dans l'affaire de la bête du Gévaudan, c'est pas là qu'il faut consacrer son temps et ses efforts. Mais c'est vrai qu'au final, cette affaire, elle est quand même très compliquée parce qu'on voit que se superposent par-dessus des tonnes d'histoires, de faits qui sont pas forcément réels, qui ont été rajoutés des centaines d'années après, ce qui fait que ça crée un tout où j'ai l'impression que, comme je le disais tout à l'heure, ça crée une sorte de confusion. On a l'impression que la bête, on lui tirait dessus, mais qu'elle se relevait immédiatement. Mais comme vous le dites, il faut chercher un peu du côté des armes aussi, donc du contexte de l'époque, pour essayer de comprendre pourquoi. Donc c'est vrai que ça forme un espèce de tout. On a l'impression que cette bête, elle est complètement fantastique. Alors qu'en fait, il y a peut-être des explications tout à fait réalistes derrière qui pourraient. Oui, et ce qui n'empêche pas que la bête ait eu un caractère extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Peut-être qu'on. Déjà, le rapport marin tel qu'il nous l'a décrit, la dernière bête tuée par Chastel, déjà, elle sort de l'ordinaire. Ne serait-ce que par ses dimensions, sa morphologie et son poids, on voit que c'est un canidé sauvage de plus de 50 kilos, ce n'est pas commun. Donc, déjà, elle n'est pas ordinaire en ça, vous voyez. C'est pas. Mais il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est une espèce de monstre surnaturel, ouais, qui parce que c'est non, l'énigme n'est pas de trouver un animal mythologique ou totalement qui sortirait de tous les critères, qui serait quasiment fantastique. Non, ça peut être un animal qui éventuellement ça, on pourrait même il y avait un chirurgien qui avait émis l'hypothèse que l'animal aurait pu souffrir d'une anomalie congénitale ou qui aurait empêché par exemple de se nourrir normalement, qui aurait entraîné ce schéma de prédation là. Voilà, il pourrait y avoir une explication comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas ordinaire,
dans le sens où elle aurait eu un défaut physique ou génétique ou je sais pas une maladie, parce que les animaux aussi ont des maladies qui sont parfois invalidantes, qui peuvent entraîner voilà, ça peut être un animal psychotique aussi, ça peut exister aussi, un animal qui aurait pas le fonctionnement mental habituel de son espèce parce qu'il serait névrosé si on veut, ou qu'il aurait un comportement psychopathologique par rapport aux critères standards habituels de son espèce. On pourrait envisager ça. Mais ça ne veut pas dire que physiquement, ça serait une espèce de monstre totalement fantastique. Par exemple, je vais m'intéresser aux cas de prédation en Inde avec les tigres. Il y a des gens qui ont écrit des ouvrages là-dessus, notamment Man-Eaters of Kumaon, les tigres mangeurs d'hommes de la région du Kumaon. Et il y a un tigre, il a tué plus de 400 personnes. Donc enfin, ça m'avait interpellé. Au début, je me suis dit, c'est une exagération totalement. Mais non, non, j'ai vu, il y a des gens qui ont écrit sur ce sujet-là. C'est très, très bien documenté. C'était au début du XXe siècle. Donc, il y a quand même plus de fiabilité et de proximité par rapport aux sources. Et en fait, ils ont découvert, après la traque de cet animal, et que c'était bien le même. Et en fait, il avait une déformation dans la denture. Une anomalie, c'est-à-dire que voilà, il avait une malformation de la dentition qui fait que il pouvait pas se nourrir normalement, et donc ça avait entraîné chez lui ce comportement où le plus simple pour lui c'était d'attaquer des êtres humains, et c'était la seule façon qu'il a trouvé pour survivre à cause de cette malformation de sa denture, parce que il ne pouvait pas pourchasser des animaux sauvages comme le faisaient habituellement les tigres. On sait que dans ces régions-là, les tigres peuvent se montrer agressifs vis-à-vis des êtres humains, occasionnellement, ça arrive. Mais, je veux dire, c'est pas normal qu'un tigre tue 400 humains et ne se nourrisse exclusivement d'êtres humains. Qu'un tigre tue un humain qui s'est aventuré sur son territoire de chasse ou qui se sente menacé, voilà. Mais là, on était dans un comportement déviant, si vous voulez, qui sortait de l'ordinaire. Mais on a trouvé une explication simple et scientifique et biologique. Voilà, c'est que l'animal souffrait d'une malformation. Et du coup, il s'était rabattu sur le gibier humain, entre guillemets, parce que c'était le seul gibier qu'il pouvait facilement capturer. Donc peut-être qu'on découvrira, mais je pense que ça aurait été noté dans le rapport marin, puisqu'elle a quand même été auscultée, y compris au niveau des dents, sous tous les angles. Donc peut-être que on pourrait expliquer ça par un comportement pathologique dans son mode de fonctionnement cérébral, si vous voulez, s'il n'y a pas d'anomalie physique. En Pourquoi plus, pas? il me semble hein, qu'il y avait eu. Je pense que c'est le loup des Chaz, hein, qui n'avait que 40 dents au lieu d'en avoir 42. Il y avait une histoire comme ça. J'en ai parlé avec Monsieur Soulier, d'ailleurs, je crois, dans l'autre vidéo. Oui, alors, Ah, on a perdu. alors le problème des. Il faut revenir aux archives parce que le rapport Jaladon, il y avait des erreurs. Et bon, c'est le problème. Et c'est qu'en fait, il y a plusieurs versions. C'est comme le rapport marin, on a deux versions. On a une version rédigée par le notaire marin et on a la version recopiée quelques jours plus tard dans une lettre au comte de la Tour d'Auvergne publiée à Paris où il y a des éléments qui sont en plus. Alors du coup, on ne sait pas si c'est un ajout journalistique, je dirais, puisqu'il n'est pas dans le rapport initial. Et bon, moi j'avais discuté avec des vétérinaires qui m'avaient expliqué qu'il fallait faire très attention avec la denture des animaux parce que OK, la formule dentaire du canidé, c'est 42 dents, mais suivant l'âge du spécimen, il peut ne pas avoir encore une pousse complète ou il peut avoir perdu une dent. Je veux dire, ça peut arriver. En chassant, il a perdu une dent ou voilà, elle s'est cassée. Enfin voilà, ça peut arriver. Donc, bon, ce n'est pas des preuves formelles totalement. On sait quand même que c'est des canidés. En plus, on voit qu'ils avaient une façon de compter les dents qui était un peu étrange, puisque des fois on comprend pas toujours ce qui signifiait. Ils comptent par rangée, on sait pas s'ils comptent la moitié de la bouche. Enfin, on en arrive à conclure. Et bon, je pense que c'est pas très significatif. Je pense que Ok, 40. d'accord. Et sinon, mais je voulais quand même revenir sur une chose tout à l'heure. Donc, vous disiez qu'il y avait possiblement donc une femelle, une louve hein, qui était avec. Mais à ce moment-là, en 3 ans, ils auraient quand même fait énormément, enfin énormément. Ils auraient quand même fait pas mal de petits. On aurait eu beaucoup plus d'animaux. Donc, il aurait fallu en tuer plus à la fin pour que comment dire, pour que le mystère du Gévaudan se termine. Bah écoutez, je pense que
Il est possible que Monsieur Antoine, en 1765, le fameux loup des Chases, il ait tué le premier grand mâle. Ensuite, ce que beaucoup d'auteurs oublient, là aussi, c'est que Monsieur Antoine ne rentre pas tout de suite à Paris. Il reste jusqu'au mois de novembre. La chasse des chasses, c'est au mois de septembre, mais il reste jusqu'au mois de novembre pour éliminer le clan. Donc, la louve et les louveteaux. Et il ne part que quand il est sûr, il pense avoir tué toute la portée. Sauf qu'à un moment donné, il dit qu'il y a un petit qui a été blessé et qui a disparu dans des roches. Mais ils n'ont pas retrouvé le cadavre. Donc, potentiellement, Monsieur Antoine part en laissant un spécimen vivant, qui du coup peut expliquer en 1766 qu'on a peu d'attaques, il y a des attaques, mais beaucoup moins nombreuses qu'en 1765, puis en 1767. Ce petit donc grandit, se recrée un clan, et en 1767, arrivé à pleine maturité, il chasse pour le clan complet, et quand il est abattu au mois de juin, on tue à nouveau une louve et plusieurs louveteaux. Donc en fait, on aurait deux générations, si vous voulez. Et donc, on aurait eu près d'une dizaine de spécimens, puisque si on compte le loup d'Antoine, la louve, les louveteaux, de mémoire, je ne vais pas dire une bêtise, mais il me semble qu'il y en avait quatre à vérifier. Plus après le clan en 1767 de la bête tuée par Chastel, donc on n'est pas loin d'une dizaine d'animaux. Donc ce qui est tout à fait cohérent pour une période de 3 ans. D'accord. Oui, parce que du coup, c'est vrai que on peut donc imaginer que même qu'avec toutes les battues qu'ils ont fait, ils auraient pu aussi éliminer certains de Oui, mais ces alors en animaux-là, plus, parce qu'ils ont quand même éliminé énormément de loups, c'est quoi, enfin étrange d'animaux. qu'ils tuent très peu de loups, ou alors ils n'en parlent jamais, enfin de loups du coup qu'ils auraient eux-mêmes identifiés comme n'étant pas cerviers ou comme étant des loups communs, standards, habituels du pays, comme ils disaient. C'est vrai que ça. Alors est-ce que c'est un manque dans les archives parce que du coup ça ne présentait pas d'intérêt pour eux? Est-ce que c'est un manque parce qu'en fait ils ont tué peu de loups tout court? C'est une question qui n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui. Parce qu'on aurait pu s'attendre que toutes ces battues, évidemment, ils puissent tuer plein de loups par la même occasion. Or, ça ne semble pas être le cas. En tout cas, les archives n'en parlent pas. Alors, est-ce qu'ils pensaient que ce n'était pas important de le noter? Par contre, on sait qu'ils n'avaient pas le droit de tirer d'autres gibiers. On a des consignes à certaines chasses où ils disent qu'on doit tirer que la bête ou les loups. Donc, D'accord. que les gens ne s'amusent pas à tirer des cervidés ou des lièvres ou pour mettre dans la casserole. Bon, peut-être que certains ne se sont pas privés, mais et puis aussi pour justement pour l'histoire des échecs des chasses massives dont on parlait tout à l'heure, qui mobilisaient des dizaines de parois, des dizaines de milliers de gens. Faut pas oublier que les gens, en fait, très vite les autorités ont arrêté ces chasses ou s'en sont plaints parce qu'en fait, comme les gavots avaient peur, en fait, une battue pour qu'elle marche et fonctionne sur un système comme ça, il faut que chaque personne se tienne à quelques mètres les unes des autres. Vous voyez qu'il y ait pas d'espace entre chaque personne. Sauf que les gens avaient peur, et donc ils se retrouvaient, ils se regroupaient. Et donc en fait, ils se sont rendus compte que dans ces battues-là, au lieu d'avoir une immense ligne de rabatteurs, tous à 2-3 mètres les uns des autres, ils se retrouvaient avec des groupes compacts de 15-20 personnes et des trous de 50 ou 100 mètres entre deux groupes de personnes. Donc en fait, les animaux pouvaient largement fuir la zone qui était rabattue et qui était censé être totalement encerclé. Donc, ces chasses étaient totalement inefficaces. Et c'est pas parce qu'il y avait 40 000 personnes de mobilisées que ça allait forcément réussir à trouver la bête. Les chasses les plus efficaces, c'est celles où elle était traquée parce qu'on l'avait vue récemment, on avait vu son pied, on lançait les chiens dessus et les traces étaient fraîches et on arrivait à la retrouver. Voilà, où on faisait des affûts. L'affût, c'est quand on se poste à un endroit où on sait que l'animal va passer. Et d'ailleurs, monsieur Duverny de la Vedrine, dont on a parlé tout à l'heure, il voit passer la bête près de sa verrerie, il sort son fusil, il la tire, il la blesse, en tout cas c'est ce qu'il a affirmé, il pense lui avoir brisé une patte, il peut pas la poursuivre à cause du brouillard, de la neige, du mauvais temps, on est en plein hiver. Et 2 ans après, la bête, ou un de ses petits, ou de ses descendants, repasse à proximité et enlève sa nièce et la tue. C'est la seule victime noble de toutes les victimes de la bête du Gévaudan. Donc c'est quand même la preuve que l'animal est repassé à un endroit qu'il connaissait, où il était déjà passé plusieurs fois, parce que c'est sans doute ce qu'on appelle une de ces coulées en termes de chasse. C'est un de ces endroits de ces trajets habituels, on va dire, puisque 2 ans après, elle repasse et elle attaque la nièce de cette personne
qu'il avait tiré 2 ans plus tôt. Donc, on voit qu'il y a quand même des schémas répétitifs qui sont logiques, qui s'expliquent, et la bête ne surgit pas comme ça, nulle part, n'importe où. Je m'étais attaché aussi dans la dévoreuse à montrer le cheminement entre les différentes zones d'attaque. Parce que quand on regarde une carte sans le relief, ça ne fait pas de sens. Il faut regarder une carte avec le relief et avec les cours d'eau. Parce qu'à un moment donné, le syndic Lafond, il dit une chose très importante, c'est qu'ils se sont rendus compte que la bête, elle a des chemins privilégiés à travers les ravins creux et en suivant les cours d'eau. Et du coup, en utilisant cet indice, j'ai essayé de retracer le trajet de la bête entre les différents modes d'attaque. Et quand on regarde avec des cartes en relief, avec l'hydrographie, ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui facilement avec des outils comme Google Earth, 3D Earth, etc. Et on trouve effectivement des chemins évidents, je dirais, entre les zones d'attaque. On voit très bien par où la bête a pu passer. Tel vallon qui suit telle rivière. Et comme par hasard, c'est des zones très encaissées, très accidentées. On sait qu'elles devaient être peu fréquentées. Et du coup, on voit des itinéraires qui, eux, sont logiques pour un animal sauvage. Et qui a absolument pas besoin d'une intervention humaine pour expliquer ces différentes apparitions. La simple topographie des lieux peut l'expliquer. D'accord, ok. C'est ce que j'avais montré aussi pour le loup des Chases, où tout le monde a dit « Oui, mais l'abbaye des Chases, elle est trop au nord par rapport à la zone habituelle, c'est pas dans sa zone de chasse habituelle, c'est la preuve que c'est une mise en scène et que la chasse a été organisée, qu'ils ont lâché un loup captif pour que François-Antoine puisse le tuer facilement. Oui, » Sauf que moi, j'ai montré la bête a tué un enfant à Colonie. Colonie, c'est une toute petite localité au fond d'un ravin, à côté du château du Besset, où était localisé François-Antoine. Et quand on suit ce ravin et on suit les cours d'eau, on arrive directement 20 km plus loin à l'abbaye des Chases. Donc, on était tout à fait dans le cheminement logique, naturel, d'un animal sauvage qui suivrait ce cours d'eau et ce ravin et 2-3 massifs forestiers qui font tous continuité les uns des autres. Donc, ça n'a absolument rien de surprenant ou d'illogique quand on va sur les lieux. Évidemment, il faut se rendre sur les lieux. Ouais. Moi, j'y ai été 3 fois pour mon enquête. J'ai travaillé pendant 10 ans en pointillé, pas à plein temps, et j'ai été 3 fois en 2005, en 2010, en 2015. Et toutes les photos qu'il y a dans la dévoreuse de la Marjorie, c'est moi qui les ai prises. C'est des photos de l'auteur. Je me suis rendu sur place plusieurs fois. J'ai été voir les différents lieux emblématiques de l'affaire, l'endroit où la bête de Chastel a été tuée, à la Sogne d'Auvers, mais aussi le pont à Pollac en Margeride, enfin voilà, tous les endroits un peu emblématiques. Et puis pour voir aussi, je pense qu'il faut aller sur place pour voir à quoi ressemblent les lieux, quelle est la géographie, la topographie des lieux, les distances, parce que sur une carte, on peut se dire c'est pas loin, mais à l'époque, avec les moyens de déplacement, pour passer d'une vallée à l'autre, ça pouvait être plusieurs heures. Vous voyez, aujourd'hui, on fait ça en 20 minutes en voiture, mais eux, il leur fallait une demi-journée à pied, à travers des chemins de pas de bonne qualité, etc. Où la voirie était vraiment rudimentaire en Gévaudan au XVIIIe siècle. Donc, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Est-ce que vous avez... Là, justement, je lis une question de quelqu'un qui est dans le chat et qui se demande comment, en fait, cet animal, qui était donc un canidé, pouvait transporter, par exemple, un enfant de 40 kilos dans sa gueule, puisqu'on a quand même des témoignages qui disent qu'on voyait l'animal partir avec l'enfant dans la bouche. Donc, il fallait quand même avoir une bête assez surpuissante pour... Alors, un enfant de 8 ans au XVIIIe siècle, il fait pas 40 kilos, mais... Par contre, on sait qu'il a tiré des victimes d'un poids certain au sol. Et d'ailleurs, ça a étonné les personnes qui disaient l'animal doit tout de même avoir une force assez surprenante. Parce qu'effectivement, il a attaqué des victimes, qu'il a ensuite tiré à la force de sa gueule dans des broussailles ou des taillis pour se mettre à l'abri des regards et des observateurs et commencer à dévorer ses victimes. Et effectivement, il a emporté des enfants à plusieurs reprises. Alors après, c'était des enfants un peu plus jeunes. Les enfants qui ont été emportés dans la gueule, c'était des enfants qui avaient moins de 8 ans en général. Et oublions pas que l'animal tué par Chastel faisait 53 kilos. Donc c'est... Ok.
En tout cas, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Donc comme ça, Pierrick peut vous répondre directement. Ce sera vraiment très intéressant. Donc si vous avez des points sur lesquels vous souhaitez revenir pour essayer de voilà d'éclaircir un peu les certaines zones d'ombre là par rapport à sa théorie. Donc n'hésitez pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pierrick, de nous avoir raconté donc toute cette histoire. Et là, vous, aujourd'hui, vous restez sur vos positions, c'est-à-dire que pour vous, c'est cette histoire de loup, donc que vous appelez loup Servier, vous restez là-dessus ou vous êtes en train d'essayer d'explorer d'autres pistes? Est-ce qu'aujourd'hui, ça, cette théorie que vous aviez eue dans La Dévoreuse, en fait, vous en êtes un peu éloigné ou non? Alors, le loup Servier, ce n'est pas ce que j'appellerais moi une théorie, c'est une découverte. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que j'ai élaboré, c'est quelque chose que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça dans le fond d'archives et j'ai cherché à l'expliquer et à trouver des éléments qui permettaient de l'expliquer. Et ces éléments, ils font sens, ils se recoupent, ils se regroupent, ils créent une réalité cohérente. Et j'en ai trouvé d'autres depuis. Donc forcément, je vais continuer à travailler sur ce sujet. Mais moi, je mène une enquête ouverte. C'est-à-dire que depuis 2017, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des événements, il y a eu des publications scientifiques. J'en prends compte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand la revue Géo nous dit, bah, écoutez, il est très peu probable que le Canis dirus et le Canis lupus aient pu s'hybrider par le passé, j'en prends compte. Et du coup, l'hypothèse de travail que j'avais, qui était d'expliquer que le loup Servier aurait pu porter en lui des gènes de Canis dirus, bah, aujourd'hui, je vais la laisser tomber, puisque des éléments récents me disent que non. Donc voilà, moi, je suis pas quelqu'un de stupide ou de borné. Et j'en avais appelé justement à la communauté scientifique dans mon livre pour dire on a besoin de zoologistes et de biologistes pour travailler sur le sujet, parce qu'il nous faut cet apport-là. Il y a, à un moment donné, on peut pas juste se proclamer éthologue ou spécialiste du loup et puis dire non, non, les loups n'attaquent pas l'homme, ça peut pas être un loup, c'est un hybride de chien. Et voilà, j'ai décrété parce que moi, je suis un super grand spécialiste du loup. D'accord, mais moi, ce que je veux, c'est l'avis de biologistes, de scientifiques, de zoologistes. Et c'est pour ça que j'ai demandé à un jeune universitaire de collaborer avec moi pour le prochain ouvrage, pour avoir cette dimension, ces compétences scientifiques que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai quand même un bac scientifique. Je suis pas totalement, je dirais, incompétent en matière de sciences. Mais voilà, ça reste un niveau limité. J'ai eu quelques notions à l'époque de génétique ou de biologie cellulaire, mais ça en reste là. Voilà, ça reste dans le cadre de l'enseignement général. Et on a besoin, moi j'avais besoin en tout cas d'un universitaire. Donc je suis heureux qu'il veuille bien collaborer pour le prochain. Et voilà, l'objectif c'est ça, c'est de continuer cette enquête ouverte, d'apporter tous les éléments. Moi j'ai un blog où si on me contacte via le petit formulaire de contact, ça tombe directement dans ma messagerie perso, hein, y a pas d'intermédiaire. J'ai des dizaines et des dizaines de lecteurs qui m'ont contacté comme ça. Donc si vous avez des documents sur les loups Serviers, sur d'autres types de loups, n'hésitez pas à me les partager. Si vous avez des connaissances qui auraient un loup naturalisé qui aurait été tué, je sais pas, un château à côté de chez vous qui aurait un vieux loup empaillé, que vous pouvez avoir des photos, bah, n'hésitez pas à me les envoyer. Si vous avez des éléments qui semblent contradictoires à ce que j'écris ou ce que je dis, bah, n'hésitez pas à me les envoyer aussi pour que je puisse les prendre en compte et à les analyser et voir s'ils sont recevables ou pas. Enfin, je veux dire, voilà, moi, je suis ouvert à toutes les discussions par les gens de bonne foi, de bonne volonté, qui veulent, comme moi, faire avancer l'état des connaissances sur la bête du Gévaudan et pas juste en faire un sujet, je dirais, d'énigmes ou de puzzle et où chacun amène sa théorie. Parce que il y a des gens, ils voudraient que tous les deux ans, on publie une théorie différente et nouvelle et que ça entretienne le mythe. Mais non, moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que on avance nos connaissances sur le sujet et qu'un jour, on puisse dire, voilà, le dossier d'instruction et l'enquête, elle est bouclée. On a tous les éléments possibles, scientifiques, historiques, techniques, comportementalistes, éthologistes, si vous voulez. Enfin, voilà, vraiment, qui viennent de toutes les différentes sciences et toutes les différentes disciplines. C'est ce que j'avais essayé de faire un peu. Bah, j'étais tout seul, alors c'était pas évident, mais d'avoir une approche transversale et de pas appeler simplement, voilà, parce que il y a des gens qui disent, moi je suis historien et je suis un spécialiste des archives. Moi je suis militant animalier, je suis un spécialiste du loup. Moi je suis ceci. Non, parce que justement c'est une approche pluridisciplinaire, je pense, qui est intéressante et qui fera vraiment progresser l'étude du cas.
Ok, d'accord. Juste quelques questions qu'on nous a posées. Par exemple, Blasco qui nous demande, est-ce qu'ils n'ont pas un peu exagéré dans les témoignages de l'époque pour chercher de l'aide auprès du roi? Ah, je ne sais pas Alors, s'il nous en... non, Ah. il y a des gens qui, à un moment donné, ils cherchent, auprès du roi, non, mais auprès de certaines autorités, oui. Parce que le roi, enfin, faut voir que le roi, quand il envoie François-Antoine, c'est parce qu'il est excédé. C'est pas parce qu'il veut aider les gens. C'est parce que l'affaire commence à durer. Il commence à se développer un sentiment que bah, les autorités sont incompétentes à régler l'affaire. Et que du coup, c'est pour ça que le roi envoie son porte-arquebuse. Donc le porte-arquebuse, c'est quoi? C'est son garde-chasse attitré personnel. Voilà, c'est celui qui est censé porter le fusil du roi à la chasse. Mais en fait, François-Antoine, c'est quelqu'un qui chasse avec Louis XV depuis 15 ans. Donc on imagine c'est un proche quand même. Voilà, il chasse avec lui. Donc ils se connaissent bien. Ils ont fait des parties de chasse ensemble depuis 30 ans, 40 ans. Donc il l'envoie en Gévaudan, c'est pour qu'il règle l'affaire, c'est pour ne plus en entendre parler, c'est pas pour aider. Par contre, oui, il y a sans doute des gens au début de l'affaire qui cherchent par tous les moyens à obtenir des ressources en chasseurs, en argent, en financement pour pouvoir organiser des traques, des battues, des chasses, parce que bah, tout ça, ça coûte de l'argent. Et après qu'ils aient exagéré, je dirais non. Pas tant que ça, puisque les victimes, elles sont réelles, ils les ont pas inventées, on n'a pas découvert. Ce sont les gazettes qui racontent un peu n'importe quoi, mais les gens du coin qui demandent de l'aide, qui écrivent des courriers, ils parlent des victimes qui ont eu lieu et qu'on a pu vérifier via le fonds d'archives. Il y a assez peu d'inventions. Il n'y a pas de cas où ils auraient dit, par exemple, je sais pas, oh, la bête a tué trois personnes, elle a dévoré trois personnes dans tel village, et puis 15 jours après, on se rend compte que c'est pas vrai, que ça n'a jamais existé. Les gens, il y a eu des cas où des gens ont affirmé avoir été attaqués et on se dit, bon, après, c'est peut-être des affabulateurs, bon, mais rien de plus qu'aujourd'hui quand on fait un appel à témoins et que des gens appellent pour dire qu'ils ont vu le tueur, parce que simplement pour se rendre intéressant. Vous voyez, je veux dire, mais au niveau des autorités, je pense qu'ils étaient plutôt, au contraire, dans une optique d'essayer de rester rationnel et factuel. Et puis, c'est un système très hiérarchisé, hein, l'Ancien Régime. On est avant la Révolution française. Donc, on est dans une société d'ordre. Il y a les trois ordres et tout est parfaitement, je dirais, réglé. Les positions sont connues. Il y a des gens qui règnent de droit divin tout en haut et on plaisante pas avec la hiérarchie à cette époque-là. Donc, voilà, il y a tout un système hiérarchique à mettre en place pour demander de l'aide. Mais tout cela se fait de façon, je dirais, assez conformément aux usages de l'époque. Et non, je pense pas que l'affaire ait été outrement exagérée, en tout cas pas dans les premiers mois. Dans les premiers mois, les gens du Gévaudan réclament de l'aide parce qu'il y a effectivement une bête féroce qui s'attaque à plusieurs personnes. Et puis après, c'est la pression médiatique qui va forcer les autorités hors de la région à intervenir, et notamment le roi. Je pense que le roi, sans les gazettes européennes qui se moquent de lui et de la France, bon, il aurait peut-être pas été plus intéressé que ça par cette affaire de bête féroce, quoi. Voilà. D'accord. Il y a Ciné qui posait une question intéressante aussi. Est-ce qu'on a des preuves historiques qu'après la mort en fait de la deuxième bête, hein, puisqu'il y a eu le loup des Chases et il y a eu celle tuée par Chastel, est-ce que là on a des preuves historiques qu'en fait ils ont continué à tuer des animaux durant les mois suivants? Alors, Ou des est-ce que animaux, c'est... c'est-à-dire d'autres Bah, c'est-à-dire par exemple là. bêtes? Ouais, bah, d'autres bêtes ou par exemple, oui, est-ce qu'il y a eu des cas d'attaque après la mort de la bête tuée par Chastel? Non, D'accord, ok. non. Il n'y a pas de. C'est-à-dire que après la première bête tuée par Antoine, oui. C'est-à-dire que le roi il déclare officiellement que la bête du Gévaudan est morte après la première bête tuée par Antoine. Et donc il y a une espèce de statu quo qu'il faut plus en parler puisque le roi a décrété qu'elle était morte. Sauf que en 1766, des attaques recommencent. Donc au début, on voit bien qu'il y a une espèce de chape de plomb, qu'ils n'osent pas trop en parler. Lafond, qui est le syndic du diocèse de Mende et qui était un peu en charge de l'enquête depuis le début, on voit bien que oulala, il va pas trop se presser à faire des courriers pour en parler, que tout ça est un peu étouffé parce que mon Dieu, le roi a dit que la bête était morte. Donc qu'est-ce qu'on va faire puisqu'elle est revenue? Et puis finalement, les cas d'attaque recommencent. Puis au début de 1767,
les cas d'attaque se multiplient, donc ils sont bien obligés de dire, bon, bah, si elle est revenue. Et puis là, lui, le roi, ben, pour lui, il ne veut plus en entendre parler, donc ils sont obligés de régler ça en interne, je dirais. Donc c'est pour ça que c'est le marquis d'Apcher qui est très jeune hein, à l'époque, qui va s'en occuper, c'est lui qui va un peu chasser avec les moyens du bord, je dirais, par rapport aux grandes chasses phénoménales précédentes. Lui, bah voilà, il chasse avec des petits groupes de chasseurs. Ils sont pas très nombreux. Hein. Quand Chastel tue la bête, il y a 12 tireurs, donc c'est pas le bout du monde. Mais par contre, c'est des gens du coin qui connaissent très bien la région, qui connaissent l'endroit où la bête est censée passer. Où on l'a déjà vu plusieurs fois, et c'est pour ça que Chastel la tue, parce que c'est un gars du coin qui connaît les passés de la bête. Et après, ils vont traquer la louve et les louveteaux. Et après, il y a aucun autre cas où une victime serait tuée et quelqu'un dirait, ah, c'est la bête qui est revenue. Non, il y en a pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas eu, ou est-ce que ça veut dire que ça a été censuré? Mais puisque ça n'a pas été censuré en 1766, l'info a réussi à filtrer, malgré que le roi avait décidé que la bête était morte, ils ont quand même, on a quand même réussi à avoir des archives et il y a quand même réussi à avoir après des chasses. Même Lafon finit par en reparler. Bon, on sent bien que le pouvoir royal ne va pas les aider, ne va pas envoyer de moyens, etc. Il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Mais ils sont quand même autorisés à en parler dans des courriers, etc. Et après, il n'y a plus aucune mention de bête féroce, de bête du Gévaudan, que la bête est revenue. Non, il n'y a pas ça dans le fond d'archive. Mais on a quand même des documents qui attestent que après la mort donc de la bête tuée par Chastel, on va bien chercher la louve et les petits, etc. Ça, il y Oui, a... tout à fait. C'est ce que D'ailleurs, on a semblait même le demander. nom. On a le nom des tireurs, je les ai oubliés, mais je les avais notés dans la dévoreuse, qui ont tué la louve et les louveteaux. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais dans la dévoreuse, c'est plutôt ces tireurs-là qu'on aurait dû finalement récompenser, parce que c'est eux qui mettent un terme définitif à l'affaire. C'est-à-dire que d'avoir tué le gros mâle, c'est bien, c'est une gratification, bon, pas aussi importante qu'il espérait. Puisqu'au début, on lui accorde que 72 livres, donc c'est pas vraiment pas le bout du monde, par rapport aux dizaines de milliers de livres qui étaient initialement prévus. Bon, mais puisqu'elle a été officiellement morte en 1765, on comprend que c'était une bonne excuse pour plus payer la prime. Bon, finalement, je crois que les dernières recherches ont montré qu'il avait touché un peu plus. Il avait eu un complément de gratification. Enfin, je crois qu'il a touché 200 livres. Bon, c'est pas le bout du monde. Ça fait 500 euros d'aujourd'hui, bon. Mais après, c'est le, comment dirais-je, voilà, c'est ceux qui ont tué finalement tout le clan, qui ont éradiqué tout le clan, qui ont permis de mettre un terme à l'affaire. Alors, on ne sait pas combien de temps ils ont continué à faire de traque, combien de temps ils ont surveillé. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucun autre cas qui a été mentionné après. Vous voyez, c'est le raisonnement inverse, c'est-à-dire que on n'a pas la preuve qu'ils ont continué à chasser, mais on n'a pas de preuve qu'il y ait eu il y a pas de trace d'une nouvelle attaque qui dirait, oh, la bête est revenue après. Non. Mais j'ai une autre question. Est-ce que du coup, l'hypothèse de l'animal exotique, il peut aussi vous paraître plausible ou pas du tout? Par exemple, de la hyène qui aurait été ramenée, alors soit montrée, comme on en parlait en off tout à l'heure, soit montrée, voilà, parce qu'il y avait des démonstrations d'animaux un peu exotiques, soit un animal échappé d'un espèce de zoo privé. Hein, on sait que certains nobles avaient ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous réfutez totalement ou qu'on peut quand même envisager? Par exemple, que ce Alors, soit une hyène au ou... début, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire, je pensais, au début, après avoir lu quelques ouvrages sur le sujet, que l'animal était effectivement une hyène. Comme d'ailleurs, c'est ce que pensait Gérard Ménatori dans les années 70, quand il a été un des premiers à publier un des livres pour innocenter les loups, on va dire. Parce que c'est ce que semblait dire le fonds d'archives. C'est-à-dire que. À un moment donné, Étienne Lafon, il se renseigne, il va chercher dans l'encyclopédie de Buffon, d'histoire naturelle, et il propose la gravure de la hyène, parce qu'il dit, c'est ce que les gens pensent que c'est une hyène, et donc on voit une gravure de la hyène rayée, qui est reproduite dans la dévoreuse, tirée de l'ouvrage de Buffon, parce que à ce moment-là, il pense que l'animal puisse être une hyène. On a l'impression. C'est ce qui ressort, et puis
voilà, l'histoire des rayures, cette rayure noire ou ces rayures noires sur les épaules, les pattes pas de la même longueur. Ouais. Sauf que la hyène, c'est l'inverse. La hyène, elle a les pattes arrière. En fait, elle est beaucoup plus assise sur son train postérieur, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle se tient un peu debout. Alors que la bête du Gévaudan, c'est l'inverse. Et on nous dit plusieurs fois que c'est les pattes avant qui semblent être plus courtes et que du coup, elle a une démarche plus ramassée, comme si elle pointe à piquer du nez un peu. Et mais il y a cette notion de rayure, de couleur, de tacheté ou de rayé qui fait effectivement penser à une hyène avec du poil plus long qu'un loup ou plus épais, plus, voilà, on pourrait dire plus rugueux, plus, je ne sais pas comment dire, qui ferait penser à une hyène. Et donc, au vu de son comportement, le fait qu'elle semble préférer les zones rocheuses, le fait que, bah, effectivement, elle s'attaque aux gens et qu'elle a une force de main suffisante pour briser les vertèbres cervicales ou briser un crâne humain en deux. Bah, voilà, l'hypothèse de la hyène me semblait possible. Et donc, effectivement, une hyène échappée d'une ménagerie ou pourquoi pas relâchée dans la nature par des gens, mal intentionnés ou pas, ou accidentellement, on ne sait pas. Mais après, il y avait le problème du rapport marin qui nous dit quand même clairement que la bête est un canidé. Avec sa formule dentaire, les hyènes n'ont que 34 dents. Donc entre 42 et 34, bon, même si elle a perdu une ou deux dents, que la pousse n'est pas complète, là du coup, puis la denture d'une hyène est pas du tout, dans la description, ne correspond pas du tout à la description des dents de la bête du Gévaudan tuée par Chastel. Non seulement dans le nom, mais aussi dans leur forme, dans leur longueur, etc. La hyène, elle a des super molaires, si vous voulez, faites pour broyer les os. Et vraiment une conformation de la denture et de la mâchoire qui n'est pas du tout celle décrite. Donc en fait, c'est pas possible. C'est pas possible à cause de cet élément qui est quand même important puisqu'il est dans le rapport d'autopsie de la bête du Gévaudan. Donc on sait que c'est un canidé, la formule dentaire le montre. Et malgré. Et après, par contre, ce qui était intéressant, c'est que le loup cervier, on en revient toujours à lui, c'est pour ça que je me suis autant intéressé à lui, c'est que le loup cervier, figurez-vous qu'il était appelé une hyène, et qu'en fait, la hyène et le loup cervier. Et c'est pour ça, j'ai même trouvé une gravure où on voit une hyène rayée, et il y a écrit dans la légende loup cervier, tout attaché, L-O-U-C-E-R-V-I-E-R. Parce qu'en fait, et j'ai vu des fois où des archives disaient « c'est une hyène ou un cervier », comme si le terme était équivalent. Et du coup, mais je me suis dit « mais alors, je ne comprenais plus ». Et en fait, tout fait sens. C'est parce que ce fameux loup dit cervier, comme il était rayé, les gens, à cette époque-là, n'avaient pas la télévision ni Internet, ils savaient qu'il y avait des hyènes rayées en Afrique, Afrique du Nord, parce que ce n'est pas la hyène tachetée, parce que Ménatori, c'est une hyène tachetée, mais la hyène tachetée, elle est plutôt en Afrique centrale. C'est les documentaires sur l'Afrique ou les méchants dans le différent. La hyène rayée ressemble beaucoup plus à... Alors, on a un problème de son. Elle a vraiment des rayures importantes. Si les internautes regardent hyène rayée sur Internet, ils verront que ça ressemble beaucoup plus effectivement à un gros chien qui a des poils très longs et qui a des rayures foncées et claires que à la hyène tachetée d'Afrique. Et du coup, c'est cette hyène-là que Buffon a décrit dans son ouvrage et que Étienne Lafon a reproduit, a joint à un de ses courriers qu'il envoie aux différentes autorités, que j'ai reproduit dans la dévoreuse. Voilà, c'est la fameuse hyène rayée d'Afrique qu'on retrouve dans l'Afrique du Nord, mais aussi dans le Caucase, enfin voilà, son aire de répartition est plus importante. Et on voit qu'elle a une rayure un peu sur le dos, qu'elle a des rayures transversales, perpendiculaires sur le dos. On voit qu'elle a un poil quand même assez dru ou très long dans le cou. On voit qu'elle a une tête qui peut ressembler un peu à un ours, ou avec des oreilles qui sont distinctes du loup, quoi. La tête, c'est pas du tout une tête de loup. Et par contre, on voit que si on cache la tête, bon, on pourrait se dire, bon, ça ressemble à un gros loup rayé, quoi. Et donc, on se rend compte que ce fameux cervier, dans un certain nombre de documents d'époque, eh ben, il est confondu avec la hyène rayée, et qu'on appelle le loup cervier un animal qui, en fait, est une hyène rayée. Alors, la taxonomie naturaliste à l'époque n'était pas très,
très précises des fois, parce que par exemple, j'ai aussi trouvé une gravure où on voit un tigre et la légende, c'est léopard. Donc vous voyez, à l'époque, les gens savaient qu'il y avait des animaux. Ils en voyaient dans les ménageries. Évidemment, ils n'étaient pas aussi familiers que nous. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans, il sait faire la différence entre un tigre et un léopard. Mais à l'époque, n'étaient pas familiers avec ces animaux-là. Donc, pour eux, c'était un peu des animaux exotiques, fantastiques. Mais on retrouve plusieurs fois le terme de hyène associé au loup-cervier, qui n'est pas le lynx, qui est bien cette espèce de gros canidé tigré. C'est pour ça que dans les dévoreux, je l'ai appelé le loup-tigré. En fait, plutôt que loup-cervier, on devrait l'appeler loup-tigré, parce que... est-ce que... je ne sais pas... ça serait intéressant. Est-ce que je peux vous envoyer une photo que vous pourriez afficher du loup d'Échole en Suisse? J'aurais dû y penser avant, je suis bête. Je n'ai pas l'habitude, c'est trop moderne pour moi. Vous me l'envoyez par mail avec lequel on correspondait, il n'y a pas de problème, je vais le mettre. Alors, du coup, il y a pas mal d'autres questions un peu intéressantes. Oui, alors c'est vrai, la raie noire, là c'est Noureddine aussi qui en parle, mais la raie noire, elle semble disparaître du coup quand elle meurt. Elle n'est pas présente, la raie noire, dans le rapport marin, si? Elle est... si, le rapport marin précise qu'il y a une raie noire transversale sur les épaules. Donc du coup, ce n'est pas une raie longitudinale le long du dos, mais c'est bien une rayure transversale, c'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire à la moelle épinière, si vous voulez, et elle descend sur les pattes. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Ah oui, mais je suis bête, j'ai oublié, j'ai pas le bon PC. Attendez, il faut que je regarde sur ma clé. Donc oui, la raie noire, c'est... mais vous savez, la raie noire, on la retrouve y compris chez des loups... chez des loups standards, je dirais, des loups communs. Il y a des loups noirs, presque entièrement noirs. Il y a des loups avec le dos très, très foncé. Je pense qu'il faut... enfin, c'est vraiment... il faut s'attacher à cette notion de rayure transversale, de tigrure, si vous voulez. C'est ça qui est important. Parce que tout le monde s'est focalisé, en fait, sur l'histoire d'une rayure transversale. Voilà, c'est cette photo-là. Et si vous regardez... je ne sais pas si j'ai le... voilà, nous, le texte du rapport marin. Hop. Comme ça, on... en fait, je pense que c'est ça. C'est que tout le monde s'est focalisé sur cette fameuse rayure noire ou raie noire sur le dos. L'animal, si on parle des épaules, on parle de la zone. Voilà. Donc ça, c'est le loup d'Échole que j'ai photographié. Vous voyez qu'il y a quand même une légère divergence avec la photo qu'on a vue tout à l'heure sur le site Wikipédia. Et là, vous voyez, quand même très intéressant, parce qu'on voit, là, on voit très bien la largeur très importante sur le crâne entre les deux oreilles. On voit bien qu'il y a cette espèce de front plat qui descend jusqu'au bout du nez, alors qu'il n'y a pas cette espèce de marche que fait habituellement, qui est assez marquée. Là, il y a une espèce de continuité comme ça. Donc, ces espèces d'oreilles, et vous voyez les oreilles, elles sont un petit peu bordées, elles sont fauves, elles sont plutôt rousses, et puis avec un léger liseré noir. Là, quand on regarde le cou de l'animal, on voit très bien qu'il est un espèce de poil, alors que le dessus de la tête est plutôt couleur chevreuil, je dirais, derrière des oreilles. D'un seul coup, le poil du cou, on voit qu'il est plutôt gris, grisâtre, blanc-noir, et vous voyez, il y a des raies. Ces rayures qu'on voit dans le cou de l'animal sur ses épaules, qui sont pour moi caractéristiques des loups-cerviers. Et c'est ça qu'on voit
Systématiquement dans les gravures sur les loups cerviers, on voit des fois des loups et le loup cervier, et en fait c'est un loup rayé, c'est un loup qui a des rayures noires. Et si D'accord. vous voyez, là on voit pas bien sur cette photo, mais les pattes de l'animal, parce que j'ai d'autres photos, c'est vrai, d'écholes, et où on voit un peu mieux. Là, celle-ci aussi, elle est intéressante, une vue de trois quarts arrière, que je vous envoie. Hop. Et qui, pour moi, c'est un peu ce qui était regrettable dans la seule photo unique qui est disponible Ouais, sur sur Internet. Internet de cette. Bon. Alors, j'attends la Donc ça, photo. pour moi, c'est vraiment. On retrouve, vous voyez, les pattes couleur chevreuil, le col gris roussâtre, parcouru d'une raie noire transversale. Voilà, c'est pour moi ce qui faisait que nos ancêtres identifiaient un loup comme cervier. C'était que c'était un loup tout rougeâtre. Là, vous voyez, quand cette vue, elle est intéressante, parce qu'on voit que les reins, en fait, sont plus hauts. La ligne des reins, si vous faites une ligne droite, elle est plus haute que la ligne dorsale. Elle est plus haute que les épaules. Et on voit qu'il y a cette espèce de chute, vous voyez, qui donne l'impression que les pattes avant sont plus courtes que les pattes arrière. Et si vous regardez, on voit très bien dans le cou, là, qui est beaucoup plus clair, qui est presque gris, et cette rayure noire, là, qui est en travers du pelage du cou. Et là, on voit bien aussi la largeur de la tête entre les oreilles, et ces oreilles qui partent presque à 45 degrés de chaque côté de la tête. Par bout commun, où les oreilles sont très rapprochées et presque droites sur le devant de la tête. Et puis la queue, vous voyez cette queue qui est une espèce de plumeau un peu gris noir, gris tacheté. Et puis cette bande sur les reins, et vous voyez la patte arrière qu'on voit là en gros plan, qui est vraiment de la couleur d'un chevreuil. Et ça, c'est décrit dans le rapport marin. Alors par contre, la taxidermie, le ventre n'est pas du tout, je pense, caractéristique, puisque en fait, cette peau de loup, le squelette est Ouais. au muséum de Genève. Il est pas, ils ont monté, les naturalistes, ils montent les peaux sur une forme, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, maintenant, ce sont Oui. des formes en polystyrène. Avant, c'était des formes en argile. Sauf que, comme c'est un loup, ils ont pris une forme de loup. Mais comme c'est un loup qui a des proportions différentes des loups habituels, ben, ils se sont retrouvés avec un excès de peau. Et du coup, cette peau, elle est un peu pendante, on a l'impression que c'est une femelle qui est pleine, mais c'est pas du tout le cas. C'était un jeune mâle de 38 kilos, c'est pas du tout une femelle. Et en fait, là, on voit qu'on a une anomalie de naturalisation, que le ventre devrait être plus remonté, plus resserré. Là, c'est un défaut parce qu'en fait, bah, l'animal n'ayant pas des proportions de loup habituelles, bah, sa peau ne rentrait pas bien sur une forme de loup standard. Par contre, là, on voit bien ailleurs dans le cou. Et du coup, cet aspect, ici, la bande noire sur le bas du dos n'est pas très prononcée par rapport à des loups communs qui, eux, ont parfois des bandes noires vraiment très marquées sur toute la longueur du dos. On voit simplement, si on veut de loin, je ne sais pas, il faut s'imaginer voir l'animal à 30 ou 40 mètres. On voit que le haut du dos, bah, il est plutôt gris foncé noir, que le milieu est plutôt marron gris, et puis que les pattes sont couleur de celle du chevreuil, comme le décrit le rapport marin. Et que la queue D'accord. est effectivement un peu singulière, sans être non plus extraordinaire. Moi, je trouve que c'est surtout la tête et la crinière du cou qui, effectivement, on peut faire penser, si on revient à la photo précédente, on peut comprendre pourquoi, en voyant cet animal de près, les gens l'ont pris pour une hyène rayée. Enfin, je veux dire, en s'imaginant que c'est pas ce loup-là. Celui-ci, il est, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu dilué. Voilà, il fait que 38 kilos, ses rayures sont pas non plus extraordinaires. Imaginez-vous avec des rayures beaucoup plus marquées, plus nombreuses, le poil, voilà, et puis un animal qui fait 50 kilos, donc qui est plus grand, plus massif, on peut comprendre que les gens l'aient pris pour une hyène rayée. C'est pas, vous voyez, D'accord. c'est pas totalement absolu comme raisonnement. Et on comprend que le loup cervier, il a été plusieurs fois associé à la hyène. Ok, d'accord, c'est intéressant. Donc ça, c'est Échol. Ok. On peut voir du Valais à Sion.
D'accord. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein. En tout cas, c'est ouais, c'est intéressant. C'est vrai que c'est. Donc on peut imaginer par exemple que sur le loup là que qu'on a vu en photo, celui qui aurait pu donc sévir dans le Gévaudan aurait été plus ou moins la même chose, mais avec des couleurs, des rayures qui étaient peut-être plus prononcées et plus gros du coup aussi. Oui, voilà. Mais ce qui m'interpelle Oui. quand Il même, aurait c'est fait 20 pourquoi kilos de les plus. 20 kilos de plus, oui. Oui, c'est vrai qu'après, ça fait quand même quelque chose qui est quand même beaucoup plus gros, plus massif. Donc, mais à ce moment-là, pourquoi les gens dans le Gévaudan à cette époque, qui pourtant savaient que c'était un loup, et là on est encore sur quelque chose qui ressemble à un loup, disaient la bête et pas le loup, parce qu'ils auraient très bien pu dire le loup au lieu de l'appeler la bête. Parce que je pense C'est quand une même que c'est question un qu'il faudrait. loup. Oui, mais c'est une question qu'il faudrait poser aux historiens du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on appelait une bête? Que désignait une bête? Et à quelle fréquence était utilisée une bête? Parce qu'aujourd'hui, nous, Ah une oui. bête, vous voyez, parce que nous, aujourd'hui, une bête, on l'utilise très peu. On va dire, ah, attention, tu as une bête sur l'épaule, parce que c'est un insecte qu'on n'a pas bien identifié. Mais, Oui, ça ou un chien, définit une on va pas chose, dire que quoi. c'est une bête. Si on voit un loup, on va pas dire que c'est une bête. Si on voit un renard, on va pas dire que c'est une bête. C'est assez rare. Il y a que les enfants maintenant qui disent, ah, j'ai vu une bête. Mais peut-être qu'à l'époque, la science, je veux dire, les gens connaissaient les animaux très bien qui leur étaient familiers. Mais peut-être qu'ils utilisaient bête beaucoup plus couramment pour décrire un animal qui n'était pas familier, vous voyez? Et que du coup, c'était courant d'appeler un loup une bête. Je sais pas. C'est une question, je peux pas vous répondre. J'ai pas vraiment d'éléments pour répondre à cette question. La fréquence d'utilisation du mot bête, effectivement. D'ailleurs, ça a surpris les Normands, les Denval, quand ils sont arrivés en Gévaudan. Ils ont dit, qu'eux étaient persuadés que c'était un loup. Et ils ont dit, bah, c'est bizarre ici, pourquoi les gens appellent les loups bêtes? Donc, vous voyez, ils ont eu un Ah peu oui, la même. d'accord, ouais. Ça les a Ah surpris aussi. oui. Après, suivant les régions, je sais pas. Ouais, est-ce que C'est un c'était champ d'application. pas un mot qui désignait Avec du coup Pour loup. moi, c'est pas forcément une preuve de la méconnaissance des gens de l'animal. Je pense que les gens à l'époque, leur préoccupation principale, c'était de s'en débarrasser. C'était pas de. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans un schéma mental différent. C'est-à-dire que pour Oui, nous, tout à c'est fait. une énigme à résoudre. Mais pour eux, c'était un danger à éliminer au plus vite. Vous voyez, leur Ouais, bien sûr. c'était de tuer la bête. Et puis après, on verra ce que c'est. Moi, je pense qu'il faut plutôt raisonner comme ça. Bête, elle est féroce, elle dévore des gens, il faut la tuer. Il faut s'en débarrasser, puis après, on verra ce que c'est. Je pense que, voilà, à mon avis, on est plutôt dans ce domaine, dans ce style de raisonnement. Et puis, quand on voit les autres cas d'animaux dévorants, ils sont régulièrement appelés bêtes féroces ou bêtes dévorantes. Bête féroce, c'est un terme qui revient souvent. Je pense que même Morisseau, quand il a étudié les cas d'archives où les gens ont été tués par des loups, je pense que il faudrait vérifier, mais à mon avis, c'est arrivé que les gens disent bête en sachant que c'était un loup. Parce que pour eux, c'était une bête. C'était un loup, mais c'était avant tout une bête. Enfin, je sais pas si vous comprenez, Ouais, si je vous voyez. vois. Je pense qu'il faut faire attention parce que, comme l'a montré le glissement sémantique autour du loup-cervier, qui aujourd'hui désigne uniquement un lynx, ben, faire Oui. attention, il y a des loups qui ne veulent Ça plus aurait dire pu la même être. chose qu'il y a quelques années. Enfin, vous voyez, c'est Ouais, peut-être que bête désignait quelque chose d'autre à l'époque, alors qu'aujourd'hui on voit bête comme. Oui, voilà. Un drôle, c'était un enfant au Moyen-Âge ou à cette époque-là. Il n'y a plus beaucoup de monde qui appelle les enfants des drôles aujourd'hui. Vous voyez, on l'utilise uniquement pour le sens comique. Ou un bougre ou une bougresse au Moyen-Âge, c'était un homosexuel. Quand on disait, ah, celle-ci, c'est une bougresse, on voulait dire que c'était une lesbienne. Mais aujourd'hui, ça n'a plus du tout ce sens-là. Quand on dit, oh, c'est pas un mauvais bougre, on ne veut pas dire qu'il est homosexuel. Ça n'a rien à voir. Le mot a complètement changé de sens au fur et à mesure. Et donc, se méfier de termes et de son cadre. Je pense qu'il faut, quand on veut étudier la véritable histoire de la bête du Gévaudan, il faut faire le deuil du monstre fantastique et
se dire qu'on va être confronté à une série de possibilités qui sont beaucoup plus rationnelles. Alors, certes, il y a une part de déception parce que, effectivement, le monstre fantastique, voilà, dans le Pacte des loups, le lion terrible dans sa carapace qui ravage tout, voilà, c'est très impressionnant, mais il faut faire le deuil du monstre fantastique pour découvrir la véritable nature de la bête du Gévaudan. Et bah, que c'était avant tout un animal. Hein. Alors, qu'on soit pas d'accord sur sa nature, bon, mais ça reste un animal, qu'il soit sauvage ou domestiqué, hybride ou de sous-génétique pure, ça reste un animal qui n'avait rien de mythologique ni de fantastique. C'était un animal qui était bien de ce monde et qui avait rien de paranormal. Oui, alors justement, c'était un peu ma dernière question parce que beaucoup de monde sur le chat m'ont demandé de vous la poser. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un loup-garou? Alors, pas de penser à un loup-garou, genre homme qui se transforme, mais par exemple, il y a des théories en ce moment sur le fait que ça pourrait être un animal préhistorique qui vivrait dans les forêts, mais à l'écart de tout le monde, donc on le verrait pratiquement pas, à part quelques personnes qui font des témoignages. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et qu'est-ce que vous pensez de la théorie du Dogman qui fait fureur sur Internet en ce moment, de cet animal qui s'est, encore une fois, il n'y a pas de transformation, c'est simplement donc un humanoïde à tête de chien. Qu'est-ce que vous pensez de ces théories? Parce que beaucoup de monde ont dit, non, le Gévaudan, c'était un Dogman, c'était un loup-garou. Oui, chaque époque a ses marottes, si vous voulez. On a eu le 20e siècle, c'était le siècle du serial killer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'expliquais un peu dans La Dévoreuse. C'est pour ça que la théorie de l'animal dressé pour tuer par des criminels s'est développée et qu'il a pris tant d'ampleur parce que en 1989, il y a eu un film qui s'appelait Silence des agneaux, qui a révolutionné un peu le genre, qui a imposé au monde entier la figure du serial killer. Et du coup, c'est cette figure-là qui s'est imposée dans beaucoup de livres, de théories au sujet de la bête du Gévaudan pendant un certain nombre d'années, à travers de cette théorie, donc voilà, de l'animal dressé pour tuer. Parce que ça sous-tendait finalement la notion de serial killer. Aujourd'hui, c'est un peu passé de mode. Effectivement, on m'a parlé récemment du Dogman, et je pense que c'est typiquement une des marottes de l'époque. Alors, je pense pas du tout que la bête du Gévaudan ait été un dogman. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a dans les 600 et quelques documents d'archives, il y a aucune fois où il est mentionné chien ou chien-loup. Donc, je pense que au moins une fois, on aurait eu quelqu'un, un témoin, qui aurait dit, voilà, c'était un humain à tête de chien ou un chien qui marchait sur ses deux jambes. Enfin, voilà, il y aurait eu des éléments qui vont dans ce sens-là. Il y en a eu aucun. Donc, je suis persuadé à 100% que c'était pas un dogman. Par contre, le loup-garou, c'est intéressant parce que figurez-vous, pour en revenir au loup-cervier, vous m'excuserez d'insister, mais c'est que le loup-cervier, il est très fréquemment associé à la mythologie du loup-garou. Et c'est un mythe, en fait, c'est une superstition qui est aussi liée au verrier. Et on a vu tout à l'heure que Monsieur du Vernis de la Védrine, qui était un verrier, a tué une des bêtes du Gévaudan. Enfin, en a blessé une grièvement. Peut-être qu'il l'a tué. En tout cas, c'est peut-être lui qui est responsable d'une des blessures relevées sur la bête de Chastel. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tout se mélange. Et c'est là où le puzzle semble se reconstituer. C'est parce que, en fait, les gens avaient très peur d'une certaine sorte de loup qu'ils avaient identifié, qu'ils appelaient les loups cerviers. Et ces loups cerviers étaient aussi assimilés aux loups-garous. C'est-à-dire qu'on pensait que les loups cerviers étaient des changeurs de forme. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était des loups-garous, des humains, qui prenaient la forme de ces loups cerviers pour tuer les enfants, parce que, et ils travaillaient pour les verriers, parce que les verriers avaient besoin de la graisse des enfants pour faire le verre. Parce que les gens à cette époque-là pensaient que les verriers étaient des espèces d'alchimistes. Ils comprenaient pas bien comment on arrivait à faire du verre avec du sable. Et du coup, ils pensaient qu'il y avait une espèce de magie là-dedans qui requérait de la graisse d'enfant pour pouvoir être fonctionnelle. Et que du coup, les loups-garous étaient chargés de fournir la graisse d'enfant aux verriers, qui étaient des espèces de sorciers noirs. Et que cette graisse d'enfant, bah, elle était prélevée par les loups-garous sous leur forme loup-cervier. Et c'est pour ça, et vous voyez cette espèce de reconstitution, mais une fois de plus, au cœur de la superstition se trouve encore une fois le loup-cervier. Et c'est quand même assez. Moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est qu'au départ, qui était une simple mention dans quelques archives, on se retrouve avec finalement une forme de réalité
animalière, puisque j'ai quand même trouvé un spécimen qui va dans ce sens-là en Suisse. Et aussi, on recoupe avec des superstitions, alors qui ne sont pas celles du tout que nous avaient avancées les historiens, puisque Morisseau, par exemple, il disait, oui, c'est l'archétype de la bête dévorante, telle qu'elle était développée au Moyen Âge, par les populations superstitieuses. Non, pas du tout. La bête dévorante, c'est une superstition de la Bible, un fléau envoyé par Dieu. C'est l'évêque de Mende, Monseigneur de Choiseul-Beaupré, qui fait son mandement sur la bête du Gévaudan. Mais tout ça, c'est à destination des élites qui savent lire et écrire, qui lisent les gazettes, qui vont à la messe, qui lisent la Bible. Mais c'est pas du tout à destination des gavots qui sont illettrés, qui savent pas lire et écrire. Les gavots, les petits paysans du Gévaudan, eux, ils croient au loup-garou, au sorcier changeur de forme, qui attaque les enfants sous sa forme loup-cervier pour fournir de la graisse d'enfant au verrier. Ouais. Et le mythe est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Mais non. La bête du Gévaudan, je pense, était un loup dicervier, mais c'était un véritable animal, c'était pas un changeur de forme. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous pensez pour terminer du dogman, de cette histoire de dogman? On en avait parlé au téléphone, hein, vous m'aviez dit que quelqu'un vous en avait parlé très récemment, de cette histoire de dogman. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que possible, ça pourrait exister, quelque chose comme ça, en tant qu'animal, humanoïde, un loup qui Alors, aurait pu évoluer sous une forme humanoïde? non, je pense pas. Enfin, scientifiquement, je vois pas les bases scientifiques qui permettraient de l'avancer. En plus, ça me semble très récent, comme, enfin, c'est une résurgence du mythe du loup-garou, clairement. Mais bon, et pour dire, je pense que c'est une génération plus jeune que la mienne, parce que moi, je veux dire, il y a 20 ans, il n'était pas du tout question de dogman, ou même le mythe du loup-garou, il était vraiment très circonscrit. Voilà, je pense que c'est générationnel. Et du coup, moi, quelqu'un est venu m'en parler parce qu'il savait que j'avais écrit une enquête sur la bête du Gévaudan. Donc, vous voyez, dans son esprit, Ah oui, il d'accord, ouais. Il y y avait avait un fait le lien. rapprochement là. Et effectivement une explication possible. Après, il y a quand même des bases scientifiques dans ce monde qui sont non négociables, je dirais. Et on sait qu'un être humain ne peut pas s'accoupler avec un canidé et avoir un rejeton viable génétiquement. C'est pas possible. Donc, ça, ce qui voudrait dire qu'il y aurait soit une espèce de canidé qui pourrait avoir des ressemblances morphologiques qui pourraient faire penser à un humain, ou soit des humains qui auraient pu avoir des traits morphologiques qui puissent faire penser à un canidé. Mais un véritable hybride génétique, non, c'est pas possible. Vous voyez? Donc après, Bah oui, où il y avait des théories d'un loup qui aurait pu tenter d'évoluer, enfin qui aurait évolué en fait en utilisant donc ses pattes arrière plus, enfin pour se relever en fait. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut tenir la route ou pas du tout, selon vous? non, 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 je ne pense pas honnêtement. Je pense que. Après, je pense que. Moi, je m'intéresse beaucoup aux mythes, aux légendes, au folklore. Je pense que c'est des sujets d'investigation très intéressants, mais en gardant conscience que c'est du mythe et du folklore. Et je pense que il faut pas. Je veux pas paraître méprisant ou. Autant par rapport aux gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Je pense que c'est des sujets d'études passionnants, mais en ayant conscience que c'est du mythe, du folklore, et que ça Bien sûr. s'explique voilà, à travers l'histoire de l'imaginaire humain. Voyez, il y a les structures anthropologiques de l'imaginaire qui sont communes à l'être humain. Je pense qu'un être humain aux quatre coins du globe, il peut avoir au fond de lui des pensées, des mythes communs qui expliquent qu'on retrouve par exemple ces choses-là. Le mythe du loup-garou, il est un peu universel. Le mythe du déluge, il est un peu universel. Également, ouais. Il y a tout un tas de mythes comme ça, communs à différentes populations humaines, que ce soit l'époque ou l'endroit du globe. Je pense que parce qu'il correspond, il répond à quelque chose au niveau de l'imaginaire humain. Mais il faut savoir que c'est un mythe et du folklore. Scientifiquement, non, je ne crois pas à la possibilité d'un dogman ou même d'un loup-garou, c'est-à-dire d'un. Et il faut pas décrédibiliser l'affaire du Gévaudan, qui elle est une affaire historique, véridique, où on a des preuves réelles, et il y a eu des victimes réelles. Ouais, tout à fait. Vous voyez, ça serait. Vous Non, mais je suis d'accord, mais voyez, c'est vrai que c'est ça que je veux. beaucoup de
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que beaucoup de gens, en fait, dans ma dernière vidéo sur le Gévaudan, m'ont dit non, c'est un loup-garou, c'est un dogman. Bon, c'est vrai que c'était. Bon. C'est pour ça que je voulais juste en parler, parce que tout Non, le monde voulait faut que qu'il lise j'aborde le le sujet avec vous. fonds d'archives. Il faut qu'ils lisent le fonds d'archives et les auteurs sérieux sur le sujet, et ils verront qu'on a les preuves que ce n'était pas un loup-garou ni un dogman, que la question ne se pose même pas. Et par contre, on peut s'intéresser à d'éventuelles apparitions ou d'éventuels témoignages dans d'autres cas. Je dis pas que voilà, il y a des gens qui ont vu des choses ou il y a eu des témoignages, des relations, et voilà, c'est des choses qui peuvent être investigué, mais dans le cadre de la bête du Gévaudan, non. La bête du Gévaudan, comme je vous le disais, c'est une affaire de chasse et d'animal sauvage. Après, voilà, qu'on discute sur la nature de l'animal, pourquoi pas, mais on sait que c'était un canidé, on sait que c'était un animal et que c'était pas, il n'y a pas d'explication paranormale possible, dans l'affaire du Gévaudan. D'accord, eh ben, très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Pierrick, d'être venu discuter de tout ça avec nous ce soir. C'était vraiment très intéressant. Merci à vous de m'avoir Et reçu et merci à vos internautes qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Et puis ben, oui, merci ben, à vous. ils sont encore 200, donc ils ont trouvé ça intéressant, je pense. Donc, Et ben, je ben, les c'était très remercie de chouette. ma part et merci pour votre invitation, pour vos questions et pour votre intérêt. Ben, avec grand plaisir. Et puis écoutez, voilà, j'attendrai patiemment donc la sortie du nouveau livre. C'est vrai que l'autre, bon, apparemment certaines personnes ont essayé de se le procurer. Une personne a dit qu'il avait réussi à le trouver. Alors je sais pas où ça, si c'est où il l'a trouvé, mais bon, voilà. Donc en tout cas, des gens ont essayé de se procurer votre livre Eh pour ben, essayer de, voilà, ça leur plaît. Bon, en tout cas, merci beaucoup, eh Pierrick. ben, Encore une fois, écoutez, c'était tant mieux. vraiment vraiment très sympa. Surtout que vous nous avez accordé Merci quasiment à 3 vous heures d'avoir. au final. On avait dit 1 h 30, Ah finalement, ben, on a fait le double, comme d'habitude. c'est un sujet intéressant. J'avais peur de ne pas avoir assez révisé, mais vous voyez, j'avais gardé quelques souvenirs. Bon. Ah oui, non, c'était parfait, merci beaucoup. Mais écoutez, Pierrick, je vous dis à très bientôt et merci encore une fois. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir.